Il est 13h30, on va débuter. Donc, bonjour, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à la 4e édition de la Journée des élevages au pâturage, organisée par les producteurs de bovins de l'Estrie en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le MAPAC. Je me présente, je suis Marie-Ange Thérien, agronome, conseillère en production animale au MAPAC en Estrie. Au nom du comité organisateur, j'aimerais remercier tous les participants qui se sont inscrits à cet événement en ligne. Je remercie également le réseau AgriConseil et nos commanditaires Zoétis, la Banque nationale et l'association Québec Angus, sans qui l'événement ne serait pas possible. La séance d'aujourd'hui est une table ronde sur la coopération entre tous les maillons de la chaîne, de la production à la mise en marché. La durée sera d'environ 2 heures. Une période de questions est prévue à la fin de la table ronde. Je vous invite donc à écrire vos questions en tout temps dans la section Q&R. Donc, vous retrouvez cette section-là au bas de votre écran. Vous avez juste à cliquer dessus pour poser vos questions. Lauriane Dubeau, la conseillère à la vie syndicale et secrétaire des producteurs de bovins de l'Estrie, les lira lors de la période de questions. Pour votre information, les 3 séances sont enregistrées et seront disponibles par la suite sur la chaîne YouTube du MAPAC. Je passe maintenant la parole à Paul Villeneuve, l'animateur de la table ronde. Oui, bonjour tout le monde. En fait, ça me fait bien plaisir d'être avec vous cet après-midi. Écoute, pour moi, c'est une première, ça, d'animer seul dans mon bureau devant un écran d'ordinateur. Donc, on va essayer de faire la meilleure shot qu'on est capable après-midi. Donc, par rapport aux questions, Marianne, je vous ai dit vers la fin, mais je vais me permettre en tant d'animateur, s'il y a des questions qui arrivent, d'essayer d'en passer un peu, question de répondre à vos questions. Donc, l'objectif, évidemment, aujourd'hui, là, c'est de vous aider, toutes les gens qui sont intéressés au niveau de production de viande sur pâturage, donc de vous aider dans cette démarche-là, puis vous faire profiter au maximum de l'expérience des gens qui sont autour de moi cet après-midi. Donc, d'entrée de jeu, pour vous un peu donner les grandes lignes des rôles de chaque personne, là, j'ai préparé, en fait, Marie-Ange m'a aidé à préparer, pour être bien précis, un petit quelques trois petites diapos que je vais vous passer à l'instant. Donc, ça devrait passer à la prochaine, s'il vous plaît. Lauriane, Là, es-tu là? je Tu es là? OK, prochaine, s'il vous plaît. Bon, parfait. Donc, dans le fond, là, on a trois groupes après-midi qui vont parler à tour de rôle, ou dans l'ordre ou dans le désordre. On verra un peu en temps et lieu comment ça va aller. Donc, chaque personne, dans le fond, a son bout de travail à faire si on veut réussir à produire une viande de qualité. Donc, pour le producteur, OK? Donc, on a quoi un peu comme contrainte ou comme obligation? Évidemment, produire des animaux sains et de qualité, bien intégrés dans l'environnement. Donc, ça, c'est un premier point. Donc, dans quel environnement on travaille, puis quelle sorte d'animaux qu'on veut réussir. Donc, une traçabilité, vous savez que ça, c'est un règlement, une loi qu'on doit respecter. Et un thème bien à la mode, le respect du bien-être animal aussi, qu'on doit maintenant avoir patte blanche à ce niveau-là, tout le monde. Bon, le point, le picot suivant, donc offrir des viandes qui répondent aux attentes des consommateurs. Donc ça, c'est assez particulier parce qu'on est à un bout de la chaîne, puis le consommateur, pour certains d'entre nous qui est en production, il est complètement à l'autre bout de la chaîne. C'est comme quelque chose de virtuel carrément, un consommateur pour d'autres, alors que pour d'autres personnes, c'est carrément, sont là tous les jours avec des consommateurs qui veulent chercher ces produits-là. Et évidemment, produire des viandes en générant une marge pour assurer évidemment la pérennité de l'entreprise. OK, ça, c'est le nerf de la guerre. S'il n'y a pas de profit à un certain moment, personne n'est heureux là-dedans. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Bon, deuxième groupe qui a une importance majeure là-dedans, évidemment, l'abattage de nos animaux. Okay? Donc, on entend dire toutes sortes de choses au niveau du marché par rapport à l'abattoir. Donc, on va en entendre parler des gens qui sont là-dedans, qui vivent cette expérience-là tous les jours. Entre autres, en termes de services, qu'est-ce qu'on veut avoir certainement, c'est des services d'abattage, mais aussi de transport, de découpe, de livraison et des fois la congélation est tout un important, quelque chose d'important dans ce secteur-là aussi. Comme le reste, assurer la pérennité de l'abattoir. Donc, je laisse faire la lecture entre les parenthèses, mais la main-d'œuvre, la formation, c'est des choses importantes. Fournir des carcasses qui répondent aux attentes des acheteurs. OK, bon, on parle de notre consommateur ici, on parle de notre boucher qui va parler tout à l'heure. Valoriser les produits d'élevage pour ne pas perdre rien en cours de route. Assurer une surveillance sanitaire efficace des produits d'origine. Donc, encore là, toute la question de salubrité des aliments, c'est un point hyper important.
Et à travers tout ça, bien évidemment, des protocoles d'abattage qui sont respectueux du bien-être animal. En bout de piste, les consommateurs sont extrêmement sensibles à ça. Et le dernier et non le moindre dans notre série d'intervenants aujourd'hui, notre boucherie. Okay? Donc, notre boucherie, évidemment, eux autres sont tous les jours ou presque directement reliés aux consommateurs ou ils parlent directement aux consommateurs. D'un certain point, sont pas mal loin de la production ou très près de la production, dépendamment avec qui ils parlent. Mais essentiellement, c'est quoi? Offrir un produit diversifié de qualité qui répond aux attentes des consommateurs. Okay? On parlera tout à l'heure un peu des consommateurs, cette petite bébite-là qu'on doit donc plaire à tout point de vue. Favoriser une bonne expérience client. Okay? Donc, l'information, quelle coupe, comment travailler la viande, comment la cuire, d'où vient le produit, et ainsi de suite. Donc, vous comprenez un peu, c'est un environnement complexe là, lorsqu'on tombe dans ce picot-là. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter la prochaine slide, les gens qui sont autour de nous autres aujourd'hui. Donc, on a des gens d'expérience et qui ont des bonnes feuilles de route, évidemment. Brian Maloney, je pense qu'on pourrait juste dire ce nom-là, puis ça serait terminé. Daphne Briley, c'est un conférencier qu'on voit souvent, depuis plusieurs années, un gars passionné au niveau de la viande à l'herbe. Pascal Hudon, boucherie Pascal Le Boucher. Dans le fond, tout à l'heure, Marie-Ange, je disais que c'était la quatrième journée de formation de viande du colloque bœuf à l'herbe ou viande à l'herbe. Pascal est là depuis le tout début. Sylvie et Jean-Sébastien Bouffard, qui font partie du groupe Bouffard et également copropriétaire de l'abattoir BL et propriétaire de maintenant de trois boucheries face de bœuf. Et pour terminer, Michael Lamarche, qui est copropriétaire de l'abattoir BL. Donc, je ne sais pas, tout à l'heure, j'avais dit mon nom, mais en tout cas, je le redis pour tout le monde, Paul Villeneuve. Donc, ici, aujourd'hui, j'agis humblement à titre d'animateur dans cette table ronde. Donc, on va passer la parole maintenant à Brian, qui va présenter sa ferme. Bonjour tout le monde. Je suis très content d'être ici avec vous autres cet après-midi. La ferme Briley, nous autres, on est située à Thurso, dans l'Outaouais. Ça, c'est l'équipe de Ferme Briley. Ma fille Kim, qui est responsable du marketing et toutes les choses journalières presque avec les animaux. Lise à l'autre bord, qui je dis tout le temps, qui est responsable de toutes les choses importantes à la ferme, l'argent et la bouffe. Et moi, dans le centre, qui bouge un peu les trous. Bon, on vient de geler Brian, ça a l'air. Est-ce que tout le monde voit ça, malheureusement? On va attendre quelques secondes. OK. Oups, moi je suis descendu. Bon, peut-être en attendant que Brian revienne en ligne. Hop, je pense qu'il vient de revenir. Oh, Brian, t'es là? Hop, ouais, on va remonter. Bon. Oui, OK, tu étais gelé, là, on va... OK, on était rendu là, Brian, tu as gelé, mais okay, on t'a perdu. C'est parti, on repart. C'est encore l'Internet à peine d'aller. Ouais, c'est ça, on a trois différents places. Cette année, on va finir une centaine de bœufs à l'herbe. Tous les animaux à la ferme, c'est engraissé juste avec les pâturages. Centaine de bœufs cette année, une cinquantaine d'agneaux, 40, les porcs ne sont pas à l'herbe. Nous, on fait la mise en marché direct. Toute la viande est vendue, presque tout, à la ferme ici. Et un point qui était fort, mais là, c'est rendu faible. On avait une table champêtre. Nous, on faisait beaucoup de mariages à la ferme. Ça faisait quand même une bonne partie de nos productions, était partie là. Et avec le COVID cette année, on a perdu complètement ce marché-là. Pour nous, c'était une perte de 100 000 $ cette année. C'est pour ça qu'on a misé vraiment sur la production et on a augmenté notre production à la ferme. Next. Prochaine slide. Oui, on est rendu à l'abattoir Bowman. L'abattoir. Nous, on fait l'abattoir Bowman. Ça fait 11 ans. Nous autres, on a commencé avec l'abattoir quand c'est construit et ouvert. C'est ainsi tous nos animaux vont là.
Et on vend quelques têtes à Pascal Boucher par année. Une fois par semaine à Marché Outaouais, c'est un marché Internet à Gatineau. C'est peut-être une 10 à 15 de nos marchés. 75 de notre action vendue directement à la ferme. Une grande partie, 50 c'est dans les corps et les moitiés. Beaucoup plus cet automne, les corps et les moitiés. Les gens veulent acheter en. Après, ils ont eu le. Être capable d'avoir les congélateurs. Quand il n'y avait plus de congélateurs depuis le printemps passé, là, les gens sont en train de remplir leur congélateur. Et notre congélateur cette année va être presque fini. Kim joint plein temps à la ferme cet été. Ça, c'était vraiment la partie que la mise à marché est partie vraiment en fou. Elle, c'est son passion, vraiment le marché. Notre boutique était ouverte normalement, c'est mi-mai. Cette année, on a ouvert les premières journées de la COVID. Annulation, le cap champagne, mais là, on a gagné de 100 000 $. Ça veut dire qu'on a travaillé pas mal plus fort sur la vente de bœuf. On a acheté des bouvillons pour cette période-là au printemps. On a une grande mort qu'on a acheté, puis on a rempli un peu le congélateur. On a visité cette saison sur le TV. Ça a beaucoup aidé. Chaque fois, il y avait quelque chose sur le TV, le line-up était rendu ici. Moi, mon rôle, surtout le samedi, c'est de faire la clown. Il y avait tellement de grandes line-up que je suis obligé de parler avec des gens. Puis, parce que des gens, des fois, prennent des demi-heures en ligne, ils partaient. Moi, je comptais des histoires, puis je faisais des jokes, puis les gens ils ont resté. Et une chose que j'ai jamais pensé, notre petite ferme, surtout cette année, nous, on est obligé tous les semaines de faire une réunion de l'équipe marketing, transformation et production. Souvent, Kim était prête à vendre beaucoup de choses, et sur mobile, la production, on n'avait pas de produit. C'est un défi cette année. Vraiment d'être capable de fournir la grosse demande. Je pense que c'est tout. C'est tout, oui, je pense que c'est bien. Donc, on va passer maintenant au groupe Bouffard. Dans l'ordre, la première personne qui parle, si je ne m'abuse, c'est Jean-Sébastien, qui va présenter, dans le fond, un peu l'historique de cette ferme-là. Et donc, si on a une entreprise d'envergure, évidemment, qui ont toutes les facettes d'un bout à l'autre de la production de viande à l'herbe. Donc, Jean-Sébastien, tu es le premier à parler, ça fait que je te laisse la parole maintenant. Parfait. Donc, bonjour à tous, puis merci d'être présent aujourd'hui à cette rencontre un peu particulière. Donc, je vais juste faire une petite présentation de la ferme avec les grandes lignes, d'où est-ce qu'on vient. Donc, 1974-75, ça a été le mariage de mes parents, puis l'acquisition d'une ferme à Kingscroft. À cette époque-là, il y avait 468 acres environ en culture, une quarantaine de vaches laitières, puis 3500 entailles pour la production acéricole. Ensuite, en 1992, ça a été la vente du quota laitier suite aux problèmes de santé de mon père. Donc, c'est ma mère qui devait s'occuper de tout le troupeau, fait que ça devenait une grosse charge. Fait qu'ils ont dû se tourner vers autre chose. C'est là qu'ils se sont tournés vers le bovin de boucherie. Ensuite, en 2003, au courant des années 2000, ça a été vraiment... c'est sûr que les enfants, on s'impliquait plus, puis on était pas mal tous intéressés à reprendre la ferme. Fait que c'est sûr que ça prenait des revenus de plus. Donc, on s'est lancé dans la production de foin de commerce qui est vendu aux États-Unis. Puis on a agrandi le cheptel bovin. Donc ensuite, en 2009, ça a été l'acquisition du parc d'engraissement à Massawippi. Précédemment, on avait seulement la production vache-veau. Fait qu'ensuite, c'est en 2009 qu'on s'est lancé dans le bouffillon d'abattage. Toujours avec l'optique d'aller jusqu'à la fin de vendre notre produit aux consommateurs. Donc, la ferme en 2020, aujourd'hui, donc c'est, euh,
C'est cinq, on est cinq frères à reprendre le flambeau. Et avec Sylvie dans les boucheries. Puis on a aussi un sixième frère qui travaille avec nous pour le transport du foin aux États-Unis. Ensuite, c'est ça. Fait que c'est, il y a eu une bonne diversification de la ferme sous la forme de foin de commerce vendu aux États-Unis, de grandes cultures, de travaux d'excavation, de gestion d'un centre de grains, de travaux forestiers, de transport, de production agricole, de boucherie et d'abattoir, bien sûr. C'est ça. Fait qu'il y a pas, tu sais, selon notre vision de la ferme et tout, tu sais, on visait le plus possible un produit naturel. Fait que donc les aliments comme transgéniques, on essayait d'utiliser ça le moins possible. Puis il y a une partie de la ferme qui est en transition bio. Donc la ferme en chiffres, en quelques chiffres, donc c'est un 3300 acres environ en culture qui va varier d'une année à l'autre parce qu'il y a quand même beaucoup de locations là-dedans. 500 à 600 acres de grande culture qui est pour les destinés à l'alimentation des animaux. Environ 1000 acres en pâturage qui est dispersé un peu dans la région. Puis un troupeau de 2000 têtes qui va être réparti sur plusieurs sites. Donc 5-6 sites environ différents. Merci. Donc, ça fait pas mal le tour. Fait que je vais passer au prochain. Donc, pour la deuxième portion de la présentation au niveau de la ferme Bouffard ou du groupe Bouffard, c'est Sylvie, la sœur, évidemment, la sœur, l'unique, finalement, là-dedans, l'unique sœur qui est dans la ferme, peut-être, qui va nous présenter au niveau qu'est-ce qui se passe au niveau des boucheries. Donc, Sylvie, on te laisse la parole. OK. Bonjour à tous. Merci d'avoir été invité aujourd'hui pour vous en faire part un petit peu plus de notre entreprise. Donc, le tout a commencé en 2010. En fait, vraiment, c'est là que ça a parti. Oups, Sylvie, on vient de perdre ton son complètement. C'est bon? Oui. OK, parfait. Donc, OK, c'est mieux. Oui, good. C'est ça. Fait que d'abord, je vais rattraper à partir de 2010. Dans le fond, c'est vraiment été en 2010 oui. Qu'on a fait l'acquisition de la première boucherie à Sherbrooke. Ça faisait déjà ça, quelques années qu'on avait en tête de partir, soit de se partir de notre propre boucherie ou faire l'acquisition, quelque sorte. Donc, en 2010, on a eu l'occasion de il y a un de nos clients à qui on vendait déjà depuis quelques années du bœuf en quartier, provenant de notre parc d'engraissement. On a eu l'opportunité d'acheter cette boucherie-là. Donc, c'est vraiment là que le projet a parti. Donc, à ce moment-là, on pouvait vraiment, ça venait de compléter un maillon de plus dans notre chaîne. De pouvoir distribuer directement aux consommateurs notre bœuf le ferme. Fait que là, par la suite, ben c'est coulé une couple d'années, mais en 2015, en ayant pris une couple d'années d'expérience et tout, on a décidé d'ouvrir une deuxième succursale, soit à Euscliff, dans le fond, pour raison qu'on est vraiment à quelques minutes de notre lieu d'élevage. Donc, on avait de plus en plus de demandes de gens que soit d'acheter à la ferme, ou d'être encore plus proche des consommateurs. Donc, à ce moment-là, on s'est rapproché d'eux de cette façon-là. Par la suite, en décembre 2016, est venue l'ouverture d'une troisième succursale, toujours à Sherbrooke, bien sûr. Donc, à ce moment-là, ça nous a permis de passer encore, de pouvoir, une fois de plus, écouler de plus en plus de bœuf directement de la ferme, donc pour centraliser notre mise en marché directement avec nos entreprises à nous. Donc, je dirais qu'en grosse partie, en fait, la majorité de notre bœuf est vraiment détaillé vraiment directement dans nos comptoirs. Quelques restaurants en approvisionnement, mais peu, parce que souvent, ce qui arrive, c'est que c'est la complexité d'approvisionnement. Donc, souvent, les restaurants veulent toutes les mêmes coupes et tout. Donc, c'est un peu plus difficile. Donc, à ce moment-là, d'approvisionner pour pouvoir garder nos produits directement pour nous. Dans le fond, ça fait que la boucherie, c'est vraiment un circuit court, vraiment de la part de la production à la ferme, jusque maintenant avec l'abattage.
avec l'abattoir, avec notre abattoir maintenant avec Michael et Jean-Sébastien. On vend toutes les formes de viande à la ferme, à la boucherie, excusez-moi, mais le bœuf et le veau viennent directement, ça, c'est ça, de nous directement. Cette année, en début 2020, on a eu notre permis de type C1 qu'on appelle, donc à ce moment-là, ça nous permet de pouvoir ouvrir la porte, de pouvoir aller vendre notre bœuf à d'autres lieux de vente, puis aussi de pouvoir débiter pour quelques producteurs qui, eux, souhaitent à ce moment-là pouvoir redétailler leurs produits aux consommateurs. À ce moment-là, ça leur prend un endroit qui est découpé dans un endroit CA. D'accord. Ouais. C'est ça. Donc, en quelques chiffres, c'est ça, cette année, c'était notre 10e anniversaire. Donc, ça faisait 10 ans. Maintenant, déjà 10 ans qu'on est là-dedans. Donc, on écoule environ, ça fait à peu près 270 têtes directement de la ferme. On est une quarantaine d'employés maintenant, depuis le temps. Donc, ça les grossit pas mal. En 2019, je pourrais dire, tantôt pour répondre à quelques points tantôt qu'on va aborder au niveau de la situation, que comme quoi que le bœuf est en baisse, mais nous, c'est pas ce qu'on remarque au niveau des boucheries. Au contraire, à chaque année, on a à peu près une vingtaine de pourcents d'augmentation des ventes dans le bœuf. Donc, le consommateur recherche de plus en plus un bœuf qui est directement soit de la ferme ou du moins des qualités, puis avec une provenance qu'on est capable d'établir. Donc, c'est pas mal ça. Super, merci. On reviendra tout à l'heure au niveau des questions. Donc, on va passer maintenant la parole à Michael, qui est le bonhomme qui est en charge dans l'organisation de l'abattoir. Donc, Michael, vas-y. Oui, bien nous, on est une abattoir multi-espèces. Situé à Racine. Avant, on était un abattoir fédéral, puis on est revenu un abattoir provincial. On abat du bœuf, du porc, de l'agneau, et puis maintenant, on fait du cervidé aussi. On fait que de l'abattage à forfait pour les clients. Nous, on n'a pas de salle de découpe. On n'a pas de salle de découpe à l'abattoir. C'est seulement, on abat et puis ça sort en carcasse. Et puis, on a un service de livraison là, qui retourne à les boucheries par la suite. Là, les carcasses, on les retourne à les boucheries par camion réfrigéré sur rail. On a une capacité d'abattage de... Quand on fait du bovin, là, du bouvillon, on est capable d'en faire comme une quarantaine par jour. Quand on est dans l'agneau, on est à 100, 150 par jour. Et puis le porc, la même chose. Donc, ça dépend de ce qu'on abat là, pour les chiffres. On abat 5 jours par semaine. On est pas mal tout le temps plein. Et puis, on a une dizaine d'employés à temps plein sur le plancher, ainsi que il y a pour le transport aussi de carcasses. Merci. Donc, peut-être, on va revenir d'une slide quand même. Lauriane, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui a un petit mot là-dessus? Peut-être Jean-Sébastien? Oui, mais c'était juste pour dire un petit mot. Que je pense que l'idée de ça, de partir vraiment des animaux de la ferme en passant par notre abattoir, par la boucherie, ça a toujours été la vision de mon père qui est décédé maintenant ce printemps. Donc, c'est juste de mettre ça tout en place, je dirais, c'était sa vision. Puis aujourd'hui, c'est vraiment de maintenir cette vision-là, puis de mettre en place que tout marche le mieux possible. Super. Puis en fait, moi, je veux rajouter que j'ai des extrêmement bons souvenirs avec Alain. L'année dernière, Alain était présent à la journée à l'herbe. Et puis, ce que je me rappelle, Alain, c'est tout le temps sa capacité d'analyse à chaque conférencier qui passait. M'en est un clin d'œil ou ben non, une petite remarque. Donc, c'est un bonhomme qui était analytique, extraordinaire, mais il avait toute qu'une vision. En tout cas, donc, c'était vraiment quelqu'un d'important dans toute l'Estrie. Puis il y a une marque qui va rester là pour très longtemps. Bon, ben on passe au prochain conférencier. Et non le moindre, un autre bonhomme qui est un peu passionné dans son domaine. Donc, je vais passer la parole à Pascal. Bien tout le monde, ben, je suis bien content d'être là. Merci à tout le monde d'être là pour écouter tout ce qu'on va jaser aujourd'hui. Donc, je m'appelle Pascal Hudon, je suis propriétaire de la boucherie Pascal Le Boucher qui a ouvert en 2016. On est une petite boucherie de quartier, donc on peut changer la diapo. Nous, dans le fond, ben, on est investi d'une mission qui nous passionne beaucoup.
on pourrait être une boucherie qui veut participer à l'évolution, dans le fond, des habitudes de consommation de viande en proposant une alternative réelle à la consommation de viande conventionnelle en ayant une petite boucherie de quartier à Montréal, dans le quartier Villeray, une boucherie qui est conviviale et qui est éco-responsable. Donc, dans le fond, on veut vraiment être là pour offrir cette offre-là à une demande qui est sans cesse croissante et qui a vraiment un grand besoin d'approvisionnement. Donc, notre slogan, qui n'est pas notre invention, c'est pas nous qui l'avons créé, mais disons qu'on le dit beaucoup, on le verbalise beaucoup. Donc, on amène les gens à se questionner sur la consommation de la viande, d'en manger moins et de la choisir, et d'en choisir de la meilleure. Donc, une viande qui reflète vraiment le réel coût de ce que ça représente de manger de la viande. Et on croit que, oui, ça coûte un petit peu plus cher, ce type de viande-là, mais ça va moduler un peu la consommation des gens. On va en manger un peu moins. Et votre santé va s'en porter mieux, l'environnement, l'économie locale, l'agriculture à échelle humaine. On trouve qu'il y a beaucoup de bienfaits à ça. Pour la petite histoire, juste avant, c'est pas la bonne slide. Ah, peut-être qu'il y a... Et celle après notre cher Brian. On a-tu inversé? OK, il en manque une. C'est pas grave. Imaginez tout le monde qui a une slide avec ma face que vous voyez. Bon, on te voit la face là quand même, en haut de ton comptoir. On va garder celle-là, c'est correct. On va prendre celle-là. Pas de problème. Donc, moi, voilà la petite histoire, ça va mon parcours. Je suis né dans le domaine de la boucherie. Mon père est boucher depuis toujours. Et tout en évoluant dans l'entreprise familiale, je me cherchais beaucoup dans différents domaines. Ça a terminé où je me cherchais aussi dans le domaine de l'environnement, communiquer dans ce sens-là. Et avec le temps, j'ai vraiment réalisé que le métier, dans le fond, le savoir-faire artisan qui se perd, qui m'était légué, mais que je pouvais vraiment me l'approprier et que je pouvais inclure les valeurs pour moi qui étaient importantes, c'est-à-dire de participer à quelque chose de plus grand que moi, de mettre du sens dans mon métier. Mais j'ai réalisé que je pouvais le faire dans le cadre de la boucherie. Donc, au fur et à mesure de mes réflexions, j'ai pris à peu près 2 ans à visiter plusieurs fermiers, à comprendre un peu quel type de système je voulais proposer pour offrir une alternative à la consommation conventionnelle de la viande. Et j'ai établi comme ça un réseau d'approvisionnement à ce moment-là. Et on a ouvert en 2016 et on a réussi, et ça fait bientôt 5 ans qu'on est ouvert. Donc, on peut... La prochaine, notre beau Brian. Alors, mais c'est pas toi, Brian, que je voulais mettre nécessairement de l'avant, mais t'es tellement beau là-dessus, donc c'est toi qui te retrouves ici. Donc, chez Pascal Le Boucher, ce qu'on veut, c'est offrir des viandes qui proviennent directement d'élevage ou autant que possible sont en synergie avec la nature, avec la production maraîchère, avec une rotation de pâturage, pour minimiser l'empreinte environnementale et carbonique de l'élevage, où les animaux peuvent reproduire un comportement naturel, où ils vont être nourris en fonction de leurs réels besoins génétiques et pas en fonction des dogmes de productivité absolue et de réduire les coûts à tout prix. Nous, on veut mettre de l'avant ces fermiers-là. C'est vraiment eux les vraies vedettes derrière notre projet. Ils se battent à tous les jours pour nous offrir une alternative à ce qui nous est proposé présentement. Et on les met de l'avant de plusieurs façons, dans nos communications et au travers de différentes initiatives en boutique. Si je résume un peu la boucherie avec nos valeurs, qui est la prochaine diapo. Circuit court, bien évidemment, il n'y a aucun intermédiaire. On travaille directement avec les agriculteurs. La transparence, on travaille devant les yeux de nos clients. La salle de découpe est devant les gens. Il y a une grande table centrale où il peut y avoir 4-6 bouchers en même temps qui travaillent. Donc, les gens voient vraiment le produit. La traçabilité, c'est-à-dire on visite toutes les fermes, on indique la provenance précise sur chaque étiquette, chaque ferme a son lot d'identifiants. Parce que les gens savent qu'ils vont manger le bœuf de Brian, de Jean-Philippe ou de Fredo. Il y a vraiment une histoire, un visage qui est mis aussi autant que possible derrière le produit. Le partage, on devient les yeux et les oreilles des clients. On est en ville, donc les gens ont peut-être d'autres choses à faire aussi dans leur vie. Tout va vite, vite. Donc, nous, on veut être les yeux et les oreilles des clients. On parle des fermiers aux clients. On partage sur l'agriculture. On partage sur les produits. Le respect, bien, on respecte toutes les formes de vie, c'est-à-dire les comportements naturels des animaux, de l'environnement, de la biodiversité. On veut valoriser des races rustiques. On veut respecter les écosystèmes et les humains également, c'est-à-dire en négociant pas les prix avec les agriculteurs avec qui on travaille, en les payant sur réception. Eux, ça fait déjà 1 an et demi, 2 ans, des mois que leur argent est dans le champ, bien, nous, c'est vraiment un devoir de payer sur réception tout ce qu'on reçoit. Et évidemment, bien, c'est aussi en respectant l'animal de la tête à la queue. On ne fait que la carcasse entière. Donc, c'est de réduire le gaspillage au maximum. Le territoire, bien, on s'adapte aux 4 saisons. Notre territoire, on a un hiver, on a une nordicité. Donc, il faut s'adapter à ça.
On n'a pas toujours les mêmes produits à chaque année. Si on veut de l'herbe, du bœuf fini à l'herbe fraîche, bien, ça va être seulement la saison vient de se terminer. C'est maintenant que ça se passe. Si on veut, on s'adapte un peu à notre agriculture locale, à notre territoire que l'offre va évoluer en fonction des saisons. Comme exemple, le poulet qu'on va vendre à la boucherie, bien, c'est du poulet qui est dégelé pas mal tout le long de l'année. Nous, on a à peu près 10-12 abattages où on peut s'approvisionner en poulet pour toute l'année. Donc, c'est vraiment une logistique avec l'aquapoint Point du jour qui nous fournit aussi de congeler beaucoup de poulet chez eux. Nous, on est limité à Montréal avec ce qu'on a. Donc, voilà. Et on veut mettre aussi le savoir-faire artisan, c'est-à-dire les méthodes manuelles d'un boucher. Il y a peu de gens qui pratiquent ce type de savoir-faire-là. On veut transmettre ça à nos employés qui passent, qui apprennent à travailler la carcasse s'ils ne savent pas déjà. Et c'est un peu à nous, bouchers, d'amener les clients à modifier, à ne pas toujours avoir leur bavette quand ils veulent et leur proposer un autre muscle par rapport à où on est rendu à notre carcasse. Voilà. Bon, bien, merci beaucoup, Pascal. Je pense que je t'avais bien présenté comme étant un gars passionné. C'est aucun problème. Un coup qu'on te lâche, c'est parti. Donc, écoutez, on a parlé à travers des présentations déjà que tout le monde, voyez-vous, il y a son domaine avec la passion qui l'anime derrière ça. On a donc une viande à l'herbe. Certainement qu'on est dans l'air du temps parce que même la fin de semaine, la semaine dernière, on parlait d'agriculture régénératrice au Congrès Bœuf. Et puis, je pense que je suis obligé à ce moment-ci de repasser la parole à M. Brian Maloney, la ferme Briley, qui va nous... En fait, la question que j'aimerais lui poser, qui va être bien évidente pour lui à répondre certainement, c'est la production sur pâturage, Brian. Pourquoi en produire? Pourquoi en vendre? Qu'est-ce qui t'a amené vers ce choix de production? Et pour moi, c'est assez simple. Première chose, je suis un producteur de les grass farmer, un herbiculteur. Et c'est ça mon passion. Et les animaux sont des sous-produits. Si pour la récolte de les bons pâturages. Et avec encore coupe. Ça coupe un peu, oui. Oui. C'est-tu correct là? Oui. Oui, OK. Nous, avec cette passion de faire le bœuf à l'herbe, on voit vraiment c'est la façon de produire le bœuf. C'est naturel, c'est très, très bon pour nos consommateurs, la qualité de la viande qu'on fait pour nos consommateurs. C'est excellent pour nous, dehors dans le champ, pas besoin d'avoir le gros équipement, au soleil, au pluie, on est dehors tout le temps, et surtout, c'est très bon pour le sol. On est en train de créer des sols qui sont super résistants, super riches, et c'est les animaux qui font ça. Mais plus en plus, on voit qu'aujourd'hui, on parle de comment notre alimentation est tellement, tellement importante, surtout pendant la période de COVID. Et on voit qu'on est obligé de produire les nutriments, les aliments avec une densité de qualité. Et c'est vraiment là qu'on est convaincu qu'en faisant cette viande, type de viande-là, on fournit pas juste l'alimentation, mais c'est presque la médecine qu'on est en train de fournir à nos gens. Et de là, on est tellement passionné à cause de les consommateurs, ils savent la différence dans les produits et c'est recherché. Et après, mettons, une quinzaine d'années de tout le temps parler comme ça, là, on dirait que les gens, ils nous écoutent là maintenant. Et c'est rechercher nos produits. Super. Merci beaucoup, Brian. Jean-Sébastien, je te relance la même question. Dans le fond, votre entreprise, vous aviez bien des choix. Puis quand on regarde la photo aérienne de l'entreprise, on se rend compte qu'il y a de la ressource pour faire toutes sortes d'élevages. Pourquoi avoir choisi cet axe-là? Je sais que tu m'as eu comme prof à un moment donné à travers ta formation, mais il y a droit à d'autres raisons également. Oui, ben, tu sais, la vision d'entreprise, ça a toujours été de travailler avec des produits le plus naturel possible. Tu sais, on est des producteurs de foin à la base. Donc, tu sais, on a toujours cru en la production de foin plutôt que de maïs, soya, des choses comme ça. Donc, tu sais, ça cadrerait vraiment dans nos valeurs, dans nos cordes. Puis, c'était de joindre les deux aussi ensemble. Tu sais, fait qu'avec la production de foin, qu'est-ce qu'on...
c'est sûr, qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire pour les États-Unis, ben, on est capable de le garder pour les animaux, des choses comme ça. Mettons qu'il n'est pas assez sec, des choses comme ça. Fait que c'était vraiment dans notre dans nos valeurs. Fait que c'est pour ça qu'on a été avec du bœuf à l'herbe. Mais en fait, nous, c'est pas sont pas élevés à l'herbe jusqu'à l'abattage. Ils vont être avec les mères à l'extérieur. Ensuite, la finition va être faite à l'intérieur, mais avec une ration principalement en ensilage de foin. Fait que c'est un petit entre-deux. Bon, on n'a comme pas le choix à certains moments. C'est clair que les pâturages durant l'hiver, c'est un peu plus dur ici au Québec, certainement. Je ressaute exactement vers Michael maintenant. Oui. As-tu complété, Jean-Sébastien? Oui? Oui, c'est bon. C'est bon. Michael, toi, que tu abats différents types d'animaux, est-ce que tu vois déjà au niveau de l'abattage une différence avec les animaux qui arrivent, mettons un animal qui est fini à l'herbe versus plus du conventionnel, par exemple? Bien, 80% des animaux, c'est du conventionnel, on ne se le cachera pas. Mais ceux nourris à l'herbe, on voit c'est de mieux en mieux avec les années. Là. Ils commencent à avoir un bon persillage, même s'ils sont nourris à l'herbe. Ce qu'on ne voyait pas avant. Avant, c'était. On voit que les animaux s'améliorent là, avec le temps. Les éleveurs sont plus consciencieux pour faire un bon persillage. Avant, on voyait que c'était nourri à l'herbe. Là. Tu sais, la qualité n'était pas là. Maintenant, les bons producteurs, on voit quasiment plus de différence avec le conventionnel là, à cause qu'ils sont bien finis. D'accord. Excellent. Bon, ben, écoutez, les gens qui nous écoutent, je vous invite encore à poser des questions dans la section questions et réponses. Donc, parce que j'ai eu le temps de mettre un œil là-dessus. Il y a une question qui m'est arrivée à travers les discussions qu'on avait précédemment. Je vais adresser la question à Sylvie et Pascal, tu te prépares aussi. Donc, la tendreté de la viande, OK? C'est vraiment quelque chose qui est important pour notre consommateur. Sylvie, toi, comment vous ajustez ça ou qu'est-ce que tu vois comme animaux que vous êtes en train de préparer dans ton abattoir, dans ta boucherie? Ils ont vraiment une belle qualité, comme Pierre l'a dit aussi. Faut que tu parles plus fort, Sylvie, s'il vous plaît, un peu. OK. Oui, dans le fond, de son point, nous autres, comme Pierre l'a dit, la qualité est vraiment beaucoup mieux. On t'entend pas. Ton micro est fermé. Ah. Là, c'est mieux. Voilà. C'est bon. Fait que, un peu comme ce que Michael a dit, oui, on le voit avec les années, même nous, de notre côté, on a vraiment appris avec le temps à s'ajuster pour vraiment aller chercher une belle qualité de la viande, comme autant au persillage, mais tout autant pour pas en avoir trop, non plus pas avoir un bœuf trop gras, mais on travaille en tout cas avec la ferme, on réussit avec le fil des années là, d'avoir une belle. Un beau persillage puis une belle carcasse, là. D'accord. Pascal, faut que tu rouvres ton micro. Tu veux que je parle par rapport à la tendreté, c'est ça? Absolument. Nous, on a un rapport avec la tendreté qui est particulier parce qu'on justement, un animal juste a été mis à mort, donc on a toutes les pièces à valoriser. Et nous, justement, vu qu'on travaille que la carcasse, on doit passer tout à un même rythme, été comme hiver, les pièces à mijoter comme les pièces à griller, on doit tout passer. Donc, dans l'épaule, exemple, on va chercher énormément de pièces à griller qui peuvent aussi être de tendreté discutable. Mais après ça, c'est de parler avec le client, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu es plus dans un steak de semaine, cette semaine, ou un steak de fin de semaine? Tu veux te gâter? Quel type de niveau de tendreté que tu veux? Et le prix, oui, va varier en fonction. Donc, c'est de comprendre le besoin, mais après ça, on veut aussi amener les gens que pourquoi au Québec, on a de la misère à mâcher? C'est le fun d'avoir un steak qui a du caractère, qui a de la fibre, un peu de mâche. Ça fait partie de l'animal. C'est pas vrai que je vais prendre ça et mettre ça dans la viande hachée. Il y a moyen de la mariner, de la travailler. Donc, nous, on fait juste parler à chaque client et proposer le bon produit au bon usage. D'accord. Et puis, en termes de persillage, dans ton point de vue, est-ce que les carcasses atteignent ce que tu veux voir ou il y a une variation au cours de l'année? Ou... Il y a une variation, je dirais, comme n'importe quel bon vin. Si on a des animaux au pâturage qui sont dehors, c'est sûr que ça va varier. Une saison qui va avoir plus de pluie ou il va avoir plus d'énergie dans le fourrage, dans l'herbe, va donner peut-être plus de gras, plus d'énergie. Une année qui va être moins bonne, comme on a pu voir cette année, le bœuf peut peut-être varier aussi, parce que c'est normal. On a une saisonnalité, puis je pense que c'est ça un vrai produit du terroir qui reflète l'année, le moment, la période qui a été élevée. Donc, d'avoir un produit qui est toujours stable, toujours pareil, peut-être qu'on peut se poser des questions aussi.
On prend vraiment du vivant, puis on va vraiment le mécaniser, le standardiser pour répondre à un besoin constant. Et je pense que c'est là qu'il y a peut-être des fois une déconnexion avec l'agriculture durable. D'accord, merci bien. Écoutez, là, les questions viennent de popper, c'est un chaud temps. Je vais m'adresser maintenant à Brian et Jean-Sébastien. En fait, les questions tournent beaucoup autour de comment faire, c'est quoi les facteurs gagnants pour réussir à produire une carcasse de qualité comme éleveur? Donc, un ou l'autre qui commence, pas de problème. Moi, je peux commencer. Je sais, la chose la plus importante, c'est toute l'énergie. On assurait qu'on a un pâturage de qualité, de tout le temps avoir des animaux qui manquent jamais, un minimum de gain de toute leur vie de 1,5 livres. Ça, c'est surtout dans la période de l'hiver. Dans l'été, on serait capable de faire plus que ça. Et assurer vraiment, vraiment qu'ils mangent la meilleure partie de les plantes, la partie la plus énergétique. Et moi, je crois que c'est pour nous, c'est des choses qu'on fait à la ferme. D'accord. Jean-Sébastien, même question? Je dirais, c'est surtout, c'est sûr que la stabilité de l'alimentation. C'est sûr que nous, dans les boucheries, un client qui vient, c'est sûr d'essayer d'avoir le plus de stabilité possible. Donc, d'essayer de produire un animal le plus stable possible. Donc, ça va être avec une ration qui va être bien balancée en énergie et protéines. Puis, travailler avec des fourrages de qualité le plus possible, vu que nous, la finition est finie à l'intérieur, au fourrage. Donc, travailler avec un fourrage de qualité. OK. J'ai une autre question par rapport à ça là, qui vient de m'arriver d'un autre participant. Par rapport à elle veut savoir essentiellement l'importance que vous adressez aux races et puis l'importance que vous adressez à l'alimentation par rapport à l'impact sur le persillage. Par rapport aux races, nous, on travaille principalement avec le Angus Charolais. Le Angus va aller chercher du persillage naturellement. C'est un animal qui est plus gras. Le Charolais va aller chercher un peu plus de rendement carcasse. Donc, en mélangeant les deux, on va chercher le meilleur des deux mondes. C'est sûr, on travaille un petit peu avec du cimental aussi pour aller chercher, pour élever nos femelles. Donc, c'est d'essayer de travailler avec les races le plus stable possible. Puis, l'autre bout de la question, c'était des quoi déjà? Dans le fond, l'impact des races versus l'alimentation, c'est où est-ce que tu vois le plus d'impact au niveau du persillage? C'est sûr, c'est vraiment... Un petit problème technique. Oui, non, on t'entend bien, Jean-Sébastien. OK, parfait. Voyons. Donc, en fait, ouais, c'est ça la question. Tu as parlé des races maintenant, par rapport à la ration. Là, c'est où que tu trouves qu'il y a le plus d'impact par rapport à la qualité de tes carcasses? Ça va être vraiment vers à la finition. C'est vraiment d'avoir une ration pas trop riche non plus. Donc, pour ne pas avoir un animal trop gras dans les boucheries. Fait que c'est vraiment avec la ration qui va leur être servie, de travailler avec les bons aliments, puis de si on voit que les animaux commencent à être trop gras, soit à la boucherie ou soit dans le parc quand on le voit à l'œil, mais ça va être de lever la pédale un peu, puis de pousser un petit peu moins ou pousser un petit peu plus. Là. Excellent. Bon, écoutez, la question de la tendreté puis des coupes a l'air vraiment suscité beaucoup de questions. Je reviens à Pascal, que tu disais que peut-être les Québécois ou les gens ou les consommateurs en général devrait peut-être apprendre peut-être à mâcher un peu plus des fois par rapport au type de viande. Mais la question m'est posée très clairement. Est-ce que les méthodes d'attendrissement mécanique, c'est quelque chose qui est utilisé dans vos boucheries? Puis après ça, Sylvie, prépare ta réponse aussi. Je vais arriver à toi dans deux secondes. Moi, je peux dire non, je n'ai pas de machine à attendrir. On va faire maturer les carcasses au moins un bon 3 semaines minimum avant de la travailler. Fait que non, on a une petite piqueuse à main, là, juste avec genre 10 petites dents. Si, exemple, je vais faire un rôti dans l'intérieur de ronde, une partie qui est un petit peu plus dure, je peux dire, hey, ici, ça va être important de faire des tranches un peu plus minces, mais est-ce que vous préférez que je vous fasse un rôti un peu plus attendri? Et je le fais sur demande, la personne le veut, oui. Mais exemple, moi, personnellement, je vais préférer un rôti qui n'est pas attendri, un peu plus juteux. Et oui, je vais mâcher un peu plus, mais je vais trancher plus mince mes tranches, adapter ma cuisson et ma préparation en fonction.
Super, merci. Sylvie, s'il vous plaît, même question. Sylvie, tu es toujours là? Oui. C'est bon. De notre côté, oui, ce sont les fameux speakers pour aider certaines coupes. C'est quand même peu utilisé versus tous les muscles sur la carcasse. Ça va être surtout quelques muscles dans la fesse qu'on va attendrir. Parce que surtout, ce qui est un travail à faire, c'est comme que Pascal fait depuis plusieurs années, c'est éduquer les clients. Mais c'est sûr que c'est pas évident parce qu'ils veulent toujours, ils vont vouloir demander souvent des coupes qu'ils voient ailleurs, qui sont populaires en épicerie. Fait qu'à ce moment-là, oui, on va en offrir quelques coupes, mais la plupart, c'est plus que le trois quarts de la carcasse, n'a pas besoin d'être attendri mécaniquement. Là. D'accord, merci. Pascal, une question qui est directement attitrée à toi. Est-ce que tu as un réseau d'autres bouchers autour de toi pour les sensibiliser un peu à cette question-là, la philosophie que tu as développée à ton entreprise? Ben, j'ai des amis bouchers. On peut parler entre nous, mais non. Moi, je dirais j'ai beaucoup de défis juste à faire la boucherie de quartier qu'on a. J'ai pas d'autres aspirations, mais c'est sûr que je le vois juste en faisant ce qu'on fait, qu'on peut susciter des curiosités et des inspirations pour d'autres bouchers. Donc déjà là, c'est mon travail est fait. Je suis vraiment content et je suis prêt à aider n'importe qui veut aller dans cette direction-là, évidemment. Excellent. Parce que je crois que ce changement-là peut arriver avec plusieurs petits. C'est comme ça que je le crois. D'accord, super. Bon, Brian, il y a une autre question qui est arrivée au bout. J'ai plus grand-chose à faire finalement. Moi, je vais passer les questions et on va passer une chose à l'autre en essayant d'avoir un tout cohérent à un certain moment. Au niveau, Brian, tu t'élèves évidemment du bœuf, tu élèves de l'agneau, du porc. Peux-tu te donner un peu les défis que tu retrouves dans chacune de ces espèces-là sur ta ferme? Comment tu travailles pour toujours avoir un animal le plus tendre possible? Spécifiquement, la question est adressée au niveau de l'agneau et du bœuf. Pour nous assurer qu'ils sont tout le temps bien nourris, qu'il n'y a pas de stress. Nous, les animaux, sont tous, on va avec le fil électrique dans le champ, on va les sortir juste, Kim et moi, avec une fil électrique, on va les tasser vers un autre pâturage proche de les bâtisses. 5h30 le matin, il va rentrer sur le trailer, puis il va être parti direct à l'abattoir, qui est 20 minutes de chez nous. Ça, c'est quand même beaucoup, le stress, la partie stress. Après ça, c'est pas dans nos mains. Je crois que si on laisse vieillir des animaux, pour nous, pas plus que 14 journées, parce que tout le temps, le bœuf à l'herbe, il est un peu moins gros. Si on laisse plus longtemps que ça, on risque de peut-être perdre un peu de la viande. Et pour les agneaux, mais c'est assez simple. J'ai jamais entendu parler d'un agneau qui est à toffe. La viande, on laisse pendre ça pour une semaine. C'est coupé. Moi, je crois que la partie agneau, pour nous, c'est la génétique. C'est zéro grain. Il y a très, très peu des agneaux qui sont nourris juste avec de l'herbe. Nous, on va les garder jusqu'à 14-15 mois. On a la race à poil. Il peut engraisser, il est plus vieux. On n'a jamais eu de problème de tendreté. Mais c'est une question, plus qu'on laisse les animaux la maturité des animaux dans les mois, les années, plus qu'on a un produit qui a le goût. Parce que des fois, le goût, pour moi, il est plus important que on peut pas manger quelque chose comme Pascal a dit qui est super tough, mais de manger un peu c'est correct, mais on a besoin le goût. Puis dans nos produits, le goût est dans la viande et non le gras. C'est pour ça que notre produit est tellement différent. D'accord. Bon, Michael, écoute, il a dit le mot magique, abattoir, abattage. Je te donne la chance, Michael, pour que tu vides ton sac maintenant. Tu dis qu'est-ce que tu veux avoir, comment t'aimes que ça fonctionne dans ton abattoir, où sont les contraintes que tu vis dans ton système, puis donc pour, mettons, dans un monde parfait, qu'est-ce que tu veux comme type d'animaux ou organisation de ces animaux-là quand ils arrivent chez vous? Bien, premièrement, c'est que ça soit cédulé, parce qu'on n'aime pas trop les surprises. Souvent, on en a... on rentre le matin et puis il y a une coupe de bœuf qui n'était pas cédulée ou on ne sait même pas si c'est acquis, premièrement. Okay. Ensuite de ça, c'est
Ben, tu sais, c'est de faire les choses dans l'ordre. C'est de situer, dire où est-ce que la carcasse est relivrée par la suite, où elle est découpée. C'est de faire une belle feuille avec le numéro d'ATQ du bœuf, parce que sinon, nous, la manière que ça fonctionne, c'est qu'on ne sait pas dans l'étable c'est à qui le bœuf, c'est celui à Jean-Sébastien ou à Brian ou peu importe. Ça se fonctionne parce qu'on ne veut pas mettre la responsabilité sur les employés de savoir à qui est le bœuf. Fait qu'on fonctionne seulement avec les numéros de tag. Donc, c'est important qu'au bureau, à la réception, il y ait le numéro de tag du producteur, que ce soit un agneau, un bœuf ou dans le cochon, le numéro de tatou. Parce que de la manière que ça fonctionne, c'est qu'à la balance, là, il y a une lecture qui est faite de la puce du bœuf. Et puis, c'est rentré dans le logiciel. Puis, c'est à ce moment-là qu'on sait la carcasse appartient à qui, puis où est-ce qu'elle est livrée et tout. Donc, quand la personne met l'animal dans la grange le soir et puis on ne sait pas c'est à qui, bien, à la balance, on ne sait pas c'est à qui, on ne sait pas. Fait que, tu sais, le producteur il a une responsabilité aussi sur le suivi de sa carcasse. Par la suite, les fameux. Les âges d'ATQ, quand les dates sont réelles. Ça enlève beaucoup de MRS. Nous, il faut enlever les colonnes vertébrales quand on a plus que 30 mois. Et puis, quand c'est un âge réel, on n'a pas à se fier aux dents. Tandis que quand c'est un âge estimé, exemple 27 mois, mais estimé, bien, aussitôt qu'il y a une troisième dent d'adulte qui est sortie, il faut enlever la colonne vertébrale. Donc, mais ce n'est pas juste d'enlever la colonne, c'est que le plancher devient, on appelle ça MRS, le sang devient contaminé et tout. Donc, ça augmente les coûts d'abattage. Faut pas qu'il y ait d'erreur. Donc, des fois, on rentre l'animal, tu sais, on parle du stress de l'animal, bien, quand il est estimé, on rentre l'animal dans la cage, bien là, finalement, oups, il y a une troisième dent. Fait qu'on doit le faire ressortir l'animal parce qu'on veut pas passer on peut pas passer une MRS dans le milieu des lots. Que là, il faut faire le chemin du retour pour le ramener dans l'étable. Mais après ça, ça ne tente plus nécessairement de revenir dans la cage. J'imagine. Fait que c'est tous des détails comme ça. Tu sais, les ATQ, premièrement, même qu'ils soient tagués, là, on fait encore de l'éducation sur les tags dans les oreilles, même si ça fait longtemps que ça existe. Fait que c'est vraiment les âges réels pour nous, c'est bien important. Donc, ça part de là, vraiment. Puis, combien de temps, mettons, par rapport à ton abattoir, toi, que tu aimerais que les consommateurs, en fait, les producteurs essentiellement, là, apportent, te contactent pour dire on concédule nos choses? Bien, c'est sûr que l'automne, c'est le plus longtemps, c'est tout le temps pareil. Là. L'automne, c'est tout le temps plus bouclé. Le restant de l'année, c'est pas si peu, mais cette année, on a quand même réussi à suivre nos cédules. Tu sais, peut-être une semaine d'attente. Là. On travaille fort, par exemple. On n'arrête jamais. Mais aussitôt, parce que dans le fond, c'est qu'aussi, quand ils cédulent chez le boucher, nous, il faut qu'on suive la cadence. Fait qu'aussitôt qu'ils ont pris rendez-vous avec leur boucher, c'est de nous appeler pour qu'on puisse le mettre à l'horaire. Fait qu'aussitôt qu'ils savent, là, c'est le producteur sait quand il veut faire abattre son bœuf, mais c'est mieux tituler, même si c'est un mois ou deux d'avance. On aime mieux ça pour être sûr d'avoir de la place puis planifier nos achats en conséquence. D'accord. Le dimanche, si on sait qu'on a des journées de libre, on ajoute des bouvillons pour nous, pour compléter nos semaines. Là, on s'ajuste dans nos ventes en fonction de ça. Fait que des fois, quand la personne appelle pour le lendemain, ben c'est pas possible. OK, super. Jean-Sébastien, je reviens à toi, qui a quelques têtes au niveau de la ferme. Comment tu fais, toi, pour réussir à suivre cette cadence-là, d'identifier des animaux, d'avoir toutes tes paperasses qui sont prêtes? Et puis, évidemment, c'est ton abattoir en partie. Ça fait que comment que ça s'opère dans votre installation, vous autres, ces choses-là? Bien, en fait, pour partir à la base, toutes les veaux vont être tagués à naissance. Fait que la déclaration va être faite pas mal en même temps. Donc, toutes les données vont être envoyées à TQ. Fait que là, en ayant des âges réels, c'est sûr qu'on s'évite un paquet de problèmes à l'abattoir. Fait qu'après, c'est sûr que c'est important une bonne planification. C'est sûr que nous, on a des abattages à toutes les semaines. Fait que c'est régulier. Donc, c'est facile c'est à tous les lundis matin. Donc, c'est sûr que, comme Michael sait, que le lundi matin, on est toujours là, on a toujours un certain nombre. Ça va varier de une, deux ou trois tags maximum, mais c'est pas mal. C'est pas mal le même nombre tout le temps.
Fait que c'est ça. Puis c'est sûr que les carcasses vont être sont livrées à notre boucherie aussi à toutes les semaines. Fait que ça, c'est quand même c'est régulier. Donc mais si advenant qu'il y a d'autres carcasses qui vont ailleurs dans notre boucherie, ben c'est d'aviser l'abattoir, c'est d'aviser être sûr que l'abattoir aussi est au courant de où est-ce que ça s'en va. Puis pour les journées de livraison aussi, pour eux autres qui puissent planifier leur livraison en conséquence, là. Donc, c'est de tout mettre ça en place, puis d'avoir une stabilité, puis d'avoir des animaux prêts pour l'abattoir. Pas trop sale non plus, le plus possible. Puis c'est une bonne planification, okay. Idéalement. Super, merci. Bon, je vais revenir un peu plus général. On va reculer un peu dans mon itinéraire là, que je m'étais prévu. Donc, Brian, je vais recommencer encore par toi. Dans le fond, toi qui es longtemps dans ce système de mise en marché, est-ce que tu pourrais nous parler un peu, nous décrire c'est quoi tes attentes, toi, comme producteur, tu sais, à travers l'abattoir? Qu'est-ce que tu t'attends d'avoir au niveau de l'abattoir? Qu'est-ce que tu t'attends de recevoir comme feedback au niveau de ta boucherie pour être capable de réorienter ou peaufiner ton système d'élevage? Mais nous, comme je dis, ça fait quand même 11 ans qu'on travaille avec l'abattoir. Nous, depuis le début, on essaie d'avoir quand même un lien assez proche. Au début, plusieurs fois, on a invité toute l'équipe de la boucherie à la ferme ici. On a rentré un peu les spécialistes dans la manipulation des animaux. On a donné peut-être des petits cours de travailler avec les animaux. On a juste tout le temps essayé de créer un lien très proche à toutes les personnes à l'abattoir, l'équipe des coupes et tout. Nous, c'est sûrement que nos produits, tu sais, on travaille plusieurs mois pour faire un bon produit. On laisse l'animal dans l'armée. On assure que le meilleur produit sort à la fin. Une chose pour nous, c'est très, très importante. On a déjà, depuis le début, on l'a dit, si vous êtes en train de couper un animal et tu vois que c'est tough, c'est raide, mais pose pas de questions. Mettre ça tout de suite en viande hachée ou en saucisse. T'sais, on veut jamais qu'un produit sort que notre client déjà l'expérience soit moins bonne. Parce que des fois, peut-être quelque chose arrivé à l'abattoir puis l'animal était stressé. Ces choses-là. S'il y a un problème avec un animal, on a besoin de feedback tout de suite. L'équipe nous dit, même cette saison, dans ce qu'on a envoyé, parce que nous, on a envoyé presque toutes les semaines à partir de septembre. Et il y avait une thermo qui avait des abcès. Et ils ont contacté nous tout de suite. J'ai parlé avec le vétérinaire, puis tout était correct. Mais tu sais, ils devraient avoir le feedback le plus vite que possible, tout le temps. Pour nous autres, c'est très important d'avoir cette communication tout le temps. Puis toi, comme service d'abattoir, d'abattage, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux avoir au niveau des différents services qui s'offrent au niveau de l'abattoir et peut-être de la boucherie jusqu'à un certain point? Là. Mais comme nous, c'est full service, là. Et c'est eux qui ramassent les animaux à la ferme, l'abattage et le découpe. Tout est compris. Année après année après année, nous, on comprend mieux leur situation. Au début, exemple, on avait peut-être presque une dizaine de différents packages, les découpes. Là, maintenant, c'est standardisé. On a trois différentes feuilles de découpe. On rend des choses simples parce que des fois, comme notre boucher disait souvent, si on est parti sur une conférence où on parlait de Pascal, souvent, il va parler d'une nouvelle coupe. Puis là, on revient, puis on pose des questions à l'abattoir. On peut-tu avoir telle coupe? Puis là, ils disent oui, mais tu sais, pas trop. Souvent, si on demande de trop, bien, il y avait quelque chose à l'autre bout qui est oublié. On sait que c'est un travail qui est quand même, des gens sont habitués à faire des choses assez standards. Et plus qu'on est capable d'avoir des choses standards, moins on a des erreurs. D'accord. Et pour nous, c'est très important. Tu sais, on offre, au début, on essaie d'offrir tout pour tout le monde,
mais c'est devenu juste trop compliqué pour nous et pour l'abattoir. Et souvent, les clients, ils savent pas beaucoup les différences de tous ces coupes-là, quand même. On offre des choses plus standards. OK, Pascal, je te renvoie la même question, mais de ton côté, c'est quoi les attentes que tu as par rapport, évidemment, par rapport à l'élevage, le type d'animal que tu vas avoir, puis par rapport, lorsque l'abattoir t'emporte tes carcasses chez toi, qu'est-ce qui fait que tu es heureux quand tu reçois les carcasses, puis qu'est-ce qui fait que tu es moins heureux, dans le fond? Par rapport au producteur, moi, mes attentes, c'est d'avoir une communication transparente par rapport à ce qui se passe dans le champ, par rapport à ce qui a dû changer l'alimentation, par rapport aux races, savoir quel type de race, que la traçabilité se fasse bien. Pour moi, c'est un peu les attentes que je peux avoir par rapport au producteur. Évidemment qu'on soit un peu dans la même façon de voir les choses. Après ça, les attentes après avec les abattoirs, on peut en avoir plusieurs, mais avant d'en nommer, je peux juste parler, exemple, dans un monde idéal, parce que j'ai plein de compassion avec les abattoirs, parce que c'est pas facile. Il y en a de moins en moins, il y a toujours autant d'animaux à abattre, ils en ont plein les bras. Donc, c'est ça que je. Et puis, on va être quand même pas mal résilient à la boucherie, à la réception par rapport à des choses qu'on voit qu'on aurait pu bonifier. Parce que nous, on est quand même passionnés et on respecte vraiment tout du début à la fin quand ça rentre. Fait qu'on est très investi dans tout ce qu'on fait. Donc, on aime ça voir une carcasse arriver correctement. Donc, exemple, des attentes dans le transport, ben, que ce soit sur rail, sur crochet, ça, c'est, on a la carcasse entière. Quand ça arrive en combo, dans une boîte, les quartiers coupés bizarrement, c'est pas cool. C'est dur pour nous aussi, transporter les carcasses, c'est quand même assez lourd. Nous, je vais parler pour Pascal Le Boucher toujours, nous on fait vieillir la viande et on a deux belles chambres froides, donc une salle de vieillissement, on n'a pas assez de place par rapport physiquement, donc on veut faire vieillir un minimum à l'abattoir, mais eux aussi, eux-mêmes, sont débordés, il faut que ça sorte, il faut que ça roule, je comprends ça aussi, donc ça vient un peu mon problème d'essayer de la faire maturer, mais une attente, ce serait d'avoir un minimum de vieillissement dans un frigo adéquat, qui n'est pas trop humide, parce que c'est important d'avoir aussi un frigo qui va avoir un contrôle d'humidité. S'il y a trop d'humidité, bien là, il va avoir vraiment la chair va être collante. On ne pourra pas bien la traiter par la suite. Il va avoir de la perte. Je vais espérer avoir des coupes droites, des coupes précises et franches, pas avoir des coupes en diagonale dans les quartiers qui vont faire qu'on nous on va avoir beaucoup de pertes par rapport à nos beefsteaks. Avoir, exemple, juste une ou deux côtes maximum du côté de la longe longue, pas couper n'importe comment, que ce soit vraiment bien coupé en deux sur le long, qu'il y ait de l'os du côté des longes pour pas qu'il y ait de la perte, pour pas exposer de la viande que je vais être obligé de couper avec la maturation qui va être apportée. C'est niaiseux, mais que chaque carcasse soit bien identifiée. Il y a des abattoirs qui font ça super bien, il y en a d'autres qui arrivent, OK, il y a où le tag, c'est un papier écrit à main sur un papier pêche sur une des deux demi. C'est laquelle, puis oh, il y a un papier qui a tombé, on ne sait plus c'est laquelle. Donc, vraiment, que ce soit bien identifié. Après ça, voilà, mais réduire le stress au maximum par avoir tout ce qui se passe à l'abattage, au transport. On a vu tantôt Michael donner un bel exemple, mais c'est ça, il y a toujours des choses à améliorer. Peut-être que les producteurs qui nous entendent vont vraiment faire attention qu'il y ait une belle date précise pour éviter ce stress-là, parce que la qualité de la viande aussi en bout de ligne, tu sais, va en résulter, il va y avoir des conséquences là-dessus, au-delà du bien-être animal également. Et aussi, je dirais par rapport au transport, Michael parlait aussi, tu sais, respectez vos dates, vous dites quelque chose arrivé à telle heure, c'est important dans cette structure-là. Bien, nous aussi, dans une boucherie, c'est important aussi, on a tel nombre d'employés le mercredi, le jeudi, le mardi, pour vraiment tout travailler, fait que d'avoir une livraison CTD. Oui, que ce soit quelque part le matin, mardi matin, ou quelque part mardi après-midi, bien, si c'est sans avertir, c'est le lendemain, qu'il n'y a pas eu d'appel, puis tout d'un coup, on reçoit le lendemain après-midi, bien, ça mélange vraiment et complexifie beaucoup toute notre charge de travail de la semaine. OK, super. Je reviens à Sylvie, un peu la même question. Toi aussi, tes attentes face à l'abattoir puis au producteur. Toi, Sylvie, tu es vraiment bien placée parce que tu as deux mains dedans des deux côtés, mais quand même, qu'est-ce qui fait que ça va bien dans ton organisation puis des choses qui sont peut-être améliorées aussi? Bien, c'est ça le défi en soi. C'est beaucoup d'ajustements à ces deux bords. T'sais, moi, je suis vraiment dans le milieu de la chaîne. Fait que j'ai vraiment le feedback de Jean-Sébastien, ces deux bords, autant qu'à la production, aux défis que lui a, moi au niveau de la défi de la boucherie, puis Michael et Jean-Sébastien au niveau de l'abattoir.
Donc, c'est vraiment des chaînes assez complexes sur toute la ligne. Fait que c'est sûr que, comme on explique depuis tantôt, quand il manque un maillon dans qui n'est pas respecté là-dedans, ça occasionne toujours, ça a un effet à cause à impact. Au niveau de nos attentes par rapport aux producteurs, bien, c'est sûr que c'est la constance. Soit au niveau des carcasses, le plus possible, on s'attend d'essayer d'avoir une carcasse qui a un rendement qui se tient quand même sensiblement pareil, tant qu'au niveau aussi du gras ou quoi que ce soit, donc du persillage. Donc, c'est sûr que c'est important pour nous que les clients le remarquent, sinon, c'est, on le voit la différence, puis ça amène des questionnements de leur part, qu'on est capable de leur expliquer par la suite, mais... C'est de leur apprendre tout ça. Au niveau de l'abattoir, ben, c'est la disponibilité d'abattage. Ben, ça, au moins là-dessus, c'est pour nous, on a la facilité là-dessus. Un abattage régulier avec le transport, une fois saignant, c'est super. Que les abats vont suivre, comme Pascal disait aussi, la bonne coupe, la carcasse, que ce soit droit. Ça, c'est important pour nous parce que c'est sûr que ça a l'impact par la suite pour nous, pour le rendement. Donc, ça fait pas mal le tour là, de tout ce qui a été discuté. Michael, toi, quand on dit, moi ça me dit un peu rien, mais quand tu as des belles coupes droites là, dans ton livre à toi, ça te dit quoi ça? Puis lorsque Pascal a dit, ben j'aimerais avoir une viande un peu plus vieillie, qu'est-ce que ça représente comme défi dans ton organisation? C'est deux choses. Une belle coupe droite, ça veut dire l'employé sur la scie qui se force, là, il n'y a pas. Ouais. C'est ça, c'est pas tout le temps si évident. Ben, c'est facile, mais d'un autre côté. Il y a un manque de main d'œuvre. Ouais, puis quand ça commence mal, on dirait que ça va mal. Tu sais, il y a des bœufs qui se font tout seuls, puis il y en a d'autres que c'est plus difficile un petit peu. Mais c'est le bon équipement, puis aussi, c'est de conscientiser les employés, parce que souvent, ils ne comprennent même pas qu'est-ce que la répercussion au bout, là, c'est pas des bougies, hein, c'est des gars d'abattoir. Fait que eux, ils scient le bœuf en deux, mais fait que oui, c'est beaucoup de consentis. Faut que les employés sachent qu'est-ce que ça. Ouais, la répercussion au bout, là. Souvent, ils ne savent même pas que c'est la longitude bone. Pour eux, c'est un os qui scie en deux. Là. Ouais, ouais. Okay. Et puis tant qu'au vieillissement, ben c'est le manque de place. Souvent, on veut bien, là, mais quand on. Parce que aussi, de la manière que les chambres froides sont faites, ben, c'est qu'on pousse tout le temps vers le fond, mais la deuxième semaine, il faut ramener le fond en premier. Fait qu'on abat quand même une centaine de bœufs par semaine ces temps-ci, à part les cochons, à part les moutons. Fait qu'il faut que ça sorte. Nous, plus vite que ça sort, plus que la gestion est facile. Ouais. Et puis, ouais, c'est ça. On a vraiment. En tout cas, de notre côté, on n'a pas assez de place pour le vieillissement là, à l'abattoir. Faut que ça sorte. Donc, au niveau du siège des carcasses, évitez les abattages du lundi matin ou du vendredi matin. Après. Non, non, souvent, ça n'a même pas rapport. C'est vraiment. L'animal. Oui, c'est, ben, l'animal. C'est sûr, quand on pogne des hostings ou des animaux laitiers, ben là, c'est plus mince. C'est beaucoup plus dur que des bouvillons standards. Des bouvillons standards, ça va quand même bien. Là, c'est vraiment quand on pogne le laitier. Ou les porcs, c'est plus dur tout le temps à scier que les bovins. D'accord. Bon, on voit la problématique hein, par rapport aux infrastructures, aux coûts associés à l'entreposage ou à la maturation de ces carcasses-là. Il y avait une question, Pascal, concernant les maturations humides ou encore plus secs. Là. On peut avoir un point de vue là-dessus, s'il vous plaît? Oui, bien, c'est ça. S'il n'y a pas un contrôle d'humidité qui se fait dans la chambre froide, bien, il risque d'avoir beaucoup trop d'humidité. Après ça, bien, chaque boucherie, on a toute notre réalité. Une petite boucherie de quartier peut avoir juste un frigo. J'ai commencé, moi, avec juste un frigo. Tous les légumes, tout se retrouve là. Mais idéalement, c'est d'avoir vraiment une chambre attitrée pour ça où l'humidité va être contrôlée. Moi, j'essaie d'avoir un 70 % d'humidité de façon le plus stable possible. S'il y a trop d'humidité, bien, justement, l'exuda va sortir un peu plus. On ne peut pas faire maturer. La moisissure va se prendre plus sur la viande. Elle ne va pas sécher. Si on veut faire vieillir de la viande, il faut qu'elle sèche, il faut qu'on cogne la longe et que ça soit dur. C'est comme ça que la viande, les réalisations des enzymes vont bien se faire de façon propre. D'accord, super. Tout à l'heure, Michael, tu as parlé un peu d'abattage d'animaux plus matures qui n'ont pas de tag avec l'obligation d'enlever les colonnes vertébrales. Oui. Là, j'ai une question, je la pose
carrément de même, est-ce que c'est possible de livrer des animaux que la colonne a été enlevée? Oui, il faut enlever la colonne. La seule chose, c'est que ça l'enlève justement tout l'os de la longe courte et du sécote, des T-bones mm-hmm. ou des faux filets ou des ribsteaks. Donc, il faut quand même enlever un pouce à partir... Le canal de la moelle épinière, il faut enlever un pouce à partir du fond du canal. Donc, ça représente là, sur un bœuf de 8 à 900 livres, quasiment un 90 livres d'os et de viande qu'on enlève. Là. C'est sûr que la majorité, c'est des os, mais ça l'affecte beaucoup la viande aussi. Là. Et puis okay. ça, il s'ensuit que la maturation, ben l'os, la viande est à découvert. Mm-hmm. Donc, on ne peut pas la laisser vieillir autant là, que s'il y a l'os qui protège la viande. Donc, je vais aller à Pascal parce que tu as l'air à trouver que ça a un impact. Peux-tu nous dire, toi, l'impact que ça représente dans ta boucherie, ça, quand ça arrive, ça? Par exemple, la colonne enlevée, ça arrive très rarement. Ça va être des fois, je vais pouvoir valoriser des vaches reproductrices ou laitières. Et là, évidemment, là, si on a 10 ans d'âge, la colonne est enlevée, puis je vais moins la maturer, je n'aurai pas le choix. Mais oui, ça fait partie de la vie. Des fois, justement, c'est arrivé dernièrement, mes producteurs, peut-être je comprends pas, mon bœuf, il y avait 27 mois, puis ils ont vu la troisième dent, donc il a perdu la colonne. Donc, nous, ça nous fait beaucoup de pertes. Après ça, OK, il faut que je m'entende avec le producteur, moi-même, OK, c'est qui assume cette perte-là, c'est la vie. Mais malheureusement, peu importe, c'est les animaux, là, plus près du 30 mois, plus âgés, là, c'est là, tout ce qui est saveur, complexité des goûts, c'est encore mieux. D'accord. Question pour Michael. Je reviens à toi, Michael. Une question qui va te faire plaisir sûrement. Qui surveille ça, les MRS, dans ton abattoir? C'est les vétérinaires et les inspecteurs, dans le fond. Donc, okay. On peut se tromper jusqu'à temps qu'il arrive, on appelle ça du côté... parce que l'abattoir est divisé en deux. Là. À partir du moment que la peau est enlevée, ça traverse de côté. Ça, on appelle ça le côté propre, si tu veux. Là, l'inspection est là et tout pour surveiller les carcasses. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on surveille, qui surveille l'âge ainsi que les dents, mais il faut les attraper avant qu'ils se rendent là. Fait que c'est la personne qui est à la boîte d'assommage qui doit surveiller ça. Parce que le plus gros problème, c'est que s'il en passe une dans l'eau et puis qu'on prend la scie justement pour couper les carcasses, on scie le bœuf sans s'en rendre compte, et bien toutes les autres après ils tombent MRS qu'on a scié. Là. Fait qu'il faut enlever la colonne, même si c'est des petits veaux ou c'est des bouvillons avec un âge réel. Fait qu'il faut vraiment pas en laisser passer une. Il faut surveiller ça. C'est ce qui est le plus important quand on fait du bœuf. Hein. D'accord, merci. J'ai une question qui a fait longtemps qui est arrivée. Là, je vais la planter, la passer à Sylvie. C'est qui tes clients, Sylvie? En fait, ils veulent savoir, les gens, il y a pas mal de questions là-dessus. Le profil général de tes clients, c'est-tu des jeunes baby boomers? C'est-tu des personnes âgées? C'est-tu ben, sûrement pas âgées? Parce qu'ils sont tous rendus, faut tous qu'ils restent chez eux maintenant, mais semi-âgés, mettons. C'est-tu des gens qui sont plus convaincus de l'élevage biologique? C'est quoi? Puis Pascal, après ça, c'est clair que je vais revenir vers toi. On a vraiment toutes les âges de excusez-moi, on a vraiment toutes les âges de clientèle, autant que ce soit, on voit de plus en plus de jeunes qui sont aux études ou quoi que ce soit, autant jusqu'à des personnes un petit peu plus âgées. C'est vraiment une clientèle qui sont soucieux de plus en plus de ce que l'on leur sert comme viande. Donc, surtout encore plus cette année, on gérait avec le COVID, on a vu vraiment que les gens ont pris un petit peu plus conscience de l'agriculture au Québec et tout, puis d'encourager les producteurs d'ici. Donc, on a vu, tu sais, on l'a vu au début de la pandémie, plusieurs épiceries et autres, on a vu qu'ils ont eu de la misère à s'approvisionner et tout, parce que c'est sûr, parce que ça ne vient pas d'un circuit court, donc à ce moment-là, ça a affecté beaucoup plus leur circuit à eux, tandis que, mettons qu'avec des boucheries, puis travailler directement avec des producteurs, à ce moment-là, c'était beaucoup plus facile d'approvisionner, fait que je pense que les clients, ils ont réalisé un petit peu plus de où provenait leur viande en bonne partie, donc... Comme je dis, c'est vraiment tout. On a une belle clientèle d'âge, autant des jeunes familles aussi, mais c'est vraiment du monde qui veulent de plus en plus s'informer sur la provenance de leurs produits, qu'est-ce qu'ils vont manger là, en bout de ligne, là, puis la qualité en soi. D'accord. Pascal? J'aurais de la misère à vraiment cibler une tranche d'âge qui vient chez nous, mais je dirais que peut-être les jeunes familles... vont venir, on est dans un quartier quand même assez dynamique, donc
c'est beaucoup de gens qui sont soucieux de leur alimentation, qui veulent amener dans leurs actions quotidiennes, à avoir un impact sur, à mettre du sens dans leurs achats. Il y a beaucoup ces gens-là qui viennent. On demeure une boucherie de quartier, mais ça me surprend de voir à quel point c'est une boucherie de destination également, parce que j'entends régulièrement des gens qui avaient arrêté de manger de la viande, et quand ils entendent parler de notre existence, ils disent « OK, si je mange de la viande, ça va être là, comme ça. » Je vais en manger une fois par semaine, une fois de temps en temps, mais c'est ce type de viande-là que j'ai. Fait que je vais avoir un peu un bel arc-en-ciel de gens, mais je dirais que s'il faudrait que je tranche une tranche d'âge, là, 30, 35, 40, c'est peut-être eux qui viennent un peu plus en majorité, mais j'ai aucune étude, c'est que mon feeling. Ton feeling. Me trompe peut-être. C'est bon, bien merci. Bon, écoute, je reviens à Michael. Écoute, une question que je ne suis pas surpris qui vient d'arriver, là. Comment tu fais pour t'assurer que c'est la bonne carcasse qui retourne au bon producteur et également au niveau des abats? Comment tu fais pour t'assurer que là, c'est les bons abats du bon animal qui retournent vers la bonne boucherie? Bien, en partant, ça, la plus grande, pour de notre côté, là, je ne sais pas les autres abattoirs, mais la plus grande responsabilité, c'est à l'éleveur justement de donner le bon numéro de tag avec le nom de la ferme et tout avant qu'on abatte l'animal. Parce que de notre côté, on ne sait pas justement dans l'étable si c'est le bœuf à Jean-Sébastien ou peu importe. Nous, on abat le bœuf et puis rendu à l'étape qu'on enlève la peau, ben, le tag est remis après l'animal. Donc, le tag qui n'a jamais la carcasse. Et puis, à la pesée, la personne scanne le tag. Et puis là, on sait c'est à qui. Donc, si on n'a pas le numéro, on ne sait pas c'est à qui le bœuf à l'avance et tout, eh bien là, on ne sait plus c'est à qui. Fait que dans le fond, de notre côté, la plus grande responsabilité revient à l'éleveur de faire les papiers comme il faut là, pour nous. Fait que la manière que ça marche, c'est que c'est rentré dans le logiciel au bureau, la provenance, exemple, ferme Bouffard, le numéro du tag, il s'en va livrer à les boucheries face de bœuf. Donc, à l'ordinateur, il sélectionne le tag qui correspond au bœuf. Et puis, à partir de là, on sait, nous, sur les papiers, c'est marqué la date d'abattage, la provenance, où est-ce qu'il est livré, l'heure qui a été abattue et tout, le numéro de site du producteur. Et puis, on fait une cinquième copie qui suit les abats. Donc, il y a un sac avec le foie, le cœur, la langue, l'onglet, les joues. Et puis, un cinquième papier est mis dans ce sac-là pour être sûr que chaque producteur ait ses abats à lui et non les autres. Excellent. Merci. Je pense que c'est très clair. En fait, peut-être moins pour Sylvie, mais Michael et Pascal, j'ai un producteur, j'ai un participant qui, lui, se demande au niveau des carcasses plus type laitière. Est-ce qu'il y a moyen de valoriser ça? Comment on fait pour valoriser ces carcasses-là? Je dirais qu'il faut qu'il y ait un minimum de gras. Si on a une vieille carcasse qui n'a pas de gras, ça va être difficile d'aller maximiser les pièces à griller là-dedans parce qu'il faut amener une bonne maturation. Mais maudit que c'est bon. Ça goûte bon, les goûts, la complexité du goût est là. Ça, comme j'aime dire, ça fait mal le bœuf quand on mange ce type d'animaux-là. Fait qu'il y a un moyen. Le problème, c'est que c'est pas une race de boucherie, c'est pas un animal qui a été élevé pour être fini en bœuf, donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose vers la fin, mais on va remarquer la perle rare un coup qu'on va avoir coupé la carcasse. Ça se peut que c'est déjà arrivé, je reçois des vaches, puis c'est pas beau, c'est pas intéressant, on va faire plus de viande hachée cette fois-là. D'accord. Et Michael, est-ce qu'il y a des défis particuliers lorsque tu abats un animal plus type laitier versus... Non, c'est juste que le rendement il est moins là. À la place d'avoir un 57-58% de rendement, si on est plus dans le 50%. Là, mais pour l'abattage en tant que tel, pour nous, ça, il n'y a pas de différence. Puis Michael, tu es au centre de mon écran, mais il y a pas mal de questions qui s'adressent à toi. Une des questions concernant, en fait, encore une fois, le bien-être animal, il y a une personne qui se demande, c'est quoi les protocoles d'abattage? Est-ce que vous avez de la formation là-dessus? Comment vous faites pour respecter le bien-être animal dans un protocole d'abattage respectueux de l'animal? Bien, nous, le MAPAC est chez nous 40 heures par semaine. On ne peut pas commencer le matin si le vétérinaire n'est pas là et les inspecteurs. Donc, dans le fond, le bien-être animal, c'est eux qui s'assurent qu'il est respecté dans nos établissements. Fait qu'il n'y a pas de passe-droit. Là. C'est vraiment la priorité du vétérinaire, le bien-être animal. On ne peut pas se servir des bâtons électriques, c'est en moins d'extrême urgence, là, où l'animal ne veut rien savoir, mais
de notre côté, on ne veut pas trop l'utiliser non plus. On essaye le moins possible. Et puis, l'insensibilisation, c'est ce qui est le plus important. Là, nous, on a acheté le meilleur percuteur là, sur le marché. Donc, on n'a pas beaucoup de reprises. De notre côté, ça va super bien, mais oui, c'est vraiment important. Puis le MAPAC le vérifie rigoureusement. Super, merci. Bon, écoutez, moi, comme intervenant, là, que je vois arriver les questions, je lis les questions en même temps que vous parlez. Bon, vous avouez que c'est un méchant métier que j'ai ici après-midi. Mais là, pour me donner un petit break, je vais passer chacun à votre tour, à tour de rôle. Je vous laisse le crachoir, autrement dit, pour les messages que vous voulez passer en général à travers la chaîne, à travers votre expérience, à travers les choses que les gens doivent savoir avant de s'engager dans une production à l'herbe. Donc, Brian, encore une fois, je vais partir par toi, étant donné l'expérience que tu as derrière la cravate, mais tout le monde, soyez attentif parce que je vais passer la même question à tout le monde. Vas-y, mon Brian. Un petit félicitation à Michael et son équipe. S'il y a juste une attente d'une semaine, c'est extraordinaire. Nous, ici dans la région, pour planifier notre saison de 2021, on a déjà fait ça dans le mois d'août, toute la saison, pour avoir les dates qu'on voulait. La planification, moi, je pense, c'est une grande, grande partie de ce qui devient notre obligation. Nous, on est obligés de planifier nos abats, les animaux qu'on veut envoyer. Et l'autre chose, souvent, quand on a des problèmes, pas des problèmes, mais on manque des dates proches de chez nous, je crois qu'on devrait aller un petit peu plus loin. Moi, c'est pas tombé sur les oreilles sourdes. Là, quand j'entends il y a juste une semaine d'attente chez vous, Michael, peut-être on va descendre le camion bientôt là, pour avoir les animaux là-bas. Tous mes amis dans l'Ouest, c'est la norme d'envoyer les animaux au minimum 6 heures de route là, à l'abattoir. Je pense quand même au Québec, on a des belles ressources. Des fois, il y a des places, c'est surchargé, puis d'autres places, il manque des animaux. Planification, puis justement, des journées comme ça aujourd'hui, c'est très, très important. Un autre point, des questions tout à l'heure, personne n'a parlé de la race d'animaux. Moi, c'est jamais une question, nous autres, on l'aime, des Angus, mais c'est jamais une question de la race, c'est la question de la type d'animal. Si on a des animaux qu'on voit beaucoup de lumière en dessous des animaux, c'est pas les meilleurs pour le pâturage. On a besoin des animaux avec des pattes courtes, qu'on voit pas beaucoup de soleil en dessous de ces animaux-là, qui ont une maturité hâtive. Parce que notre saison, pour nous, il faut essayer d'engraisser à 18 mois. 18 mois, ça arrive comme là. Des animaux devraient être finis. Pour moi, c'est des choses, c'est le type d'animal. Il y a des bons animaux dans toutes les couleurs, mais choisir des animaux qui sont capables d'engraisser comme il faut dans notre système. Toi, Brian, je comprends bien, tu as mieux la photosynthèse pour ton herbe que pour l'animal, hein, c'est ça? C'est ça, c'est bien dit. T'es en plein ça. Ouais. Bien dit ça. Jean-Sébastien, ça fait longtemps qu'on t'a entendu parler. Toi, ta vision des choses importantes? Je dirais le mot le plus important là-dedans, je pense, c'est la planification. T'sais, mettons, quelqu'un qui veut se lancer dans le bœuf à l'herbe, c'est vraiment de planifier où est-ce qu'il va le vendre, puis s'il y a des abattoirs proches disponibles pour l'abattage et tout. Fait que c'est vraiment d'avoir une bonne planification, d'avoir le bon type d'animal pour le bon marché qui vise, puis de savoir où est-ce que l'animal va être vendu. Puis de vraiment savoir qu'est-ce qu'on va faire avec cet animal-là jusqu'à la fin. Pas arriver avec des surprises. D'accord. Je vais laisser une chance au groupe Bouffard de réfléchir encore. Je reviens à Pascal. Tes messages, Pascal, pour que ça fonctionne par bien. Par rapport à un producteur qui veut démarrer, c'est ça? Par rapport à un producteur, mais par rapport un peu à l'ensemble de la filière, là, ton point de vue là-dessus. Ouais, tes réflexions. Ben, les choses avancent, mais par rapport à un jeune producteur, je vais dire, comme disait Jean-Sébastien, c'est oui, la planification, c'est aller chercher votre expérience à gauche, à droite, improvisez pas, sachez ce qui va arriver par la suite. Si je fais juste un parallèle avec Pascal le boucher, j'ai parti une boucherie, dans le fond, que je n'avais pas évolué dans ce type de boucherie-là, ben, j'avais vraiment quand même une expérience, j'ai cherché beaucoup avant d'arriver là, et le financement est quand même arrivé bien
parce que je savais où je m'en allais, j'avais bien préparé mes trucs. Après ça, ben, je dirais, ce qui pourrait être bien, c'est d'avoir, par rapport à l'abattage, c'est qu'il y ait un abattage qui soit adapté à la petite agriculture d'aujourd'hui aussi, qui est émergente et qui prend de plus en plus de place. Des fois, ils ne sont pas toujours bien répondus. Un producteur qui a juste 2-3 bœufs, qui a une centaine de poulets, qui veut aussi abattre ses animaux quand il arrive à maturité. Exemple, un producteur de poulets doit être obligé de réserver. OK, il faut que j'y vais à telle date. Mes poulets vont avoir 8, 9, 10, 11, 12 semaines. Go, c'est là que je vais booker l'abattoir à ce moment-là. Mais finalement, les poulets n'ont pas grandi assez vite. Ou ce lot de porc-là, ben, il s'amusait bien gros dans la boîte. Je ne sais pas pourquoi, ils s'amusent beaucoup. Ils engraissent moins. Ben, c'est le fun pour eux, pour leur bien-être. Ils s'amusent, mais ils ne sont pas prêts. J'aimerais ça les abattre dans quelques semaines, mais oh, non, c'est déjà plein. Donc, des fois, d'avoir quelque chose qui est adapté un petit peu plus à ce type d'agriculture-là, c'est quelque chose qui devrait être adressé dans le futur, je crois. Peut-être regarder des possibilités d'abattage à la ferme, que ce soit abattage mobile ou que quand même un fermier puisse le faire, de travailler dans ce sens-là, ça ne sera pas du jour au lendemain, mais d'avoir cette ouverture d'esprit-là et de regarder pour qu'il y ait quelque chose de vraiment adapté à l'agriculture paysanne, je pense que ce serait intéressant. Super, merci. Sylvie? Ce que je pourrais dire, bien, c'est sûr que ça a été quand même assez bien décrit dans le fond au niveau de la planification, mais si les producteurs, si on peut leur donner un petit cue, mais c'est ça, c'est de bien cibler leur marché, de savoir s'ils veulent tu vendre plus en carcasse entière pour qu'à ce moment-là, c'est nous qui fait la revente ou c'est eux qui gèrent à ce moment-là la vente au détail aux clients, mais à ce moment-là, de trouver un bon partenariat avec l'abattoir puis une boucherie de type C1 ou abattoir de type C1 pour pouvoir distribuer leurs produits, puis de bien identifier de quelle façon qu'ils vont vouloir détailler leurs produits, c'est important. De trouver leur bonne clientèle cible avec le produit qu'ils vont vouloir mettre de l'avant. D'accord. Et puis, écoute, je vais finir avec Michael. Ben, nous, pour les producteurs, c'est. Michael, ben, nous, on veux, est, oui. Nous, on est juste abattoir. Là. On ne fait pas la coupe encore. C'est un projet. On a une salle de coupe, mais pas même l'abattoir. Et puis, pour les producteurs, c'est de planifier aussi la salle de découpe, là, parce que c'est arrivé assez souvent que les gens font abattre, mais après ça, ils ne savent plus quoi faire avec. Puis, fait que là, faut appeler toutes les salles de découpe pour essayer de leur trouver, eux, de la place. Là. On réussit tout le temps, mais tu sais, il manque un peu de planification. Et puis, pour les boucheries qui commandent, ben, tu sais, ils savent, exemple, qu'on va livrer le mercredi, ben, c'est d'avoir de la place dans le frigo, parce que ça arrive souvent qu'on est en ville ou peu importe. Et puis là, on arrive avec les carcasses et puis le frigo, il est plein. Ben, tu sais, vous reviendrez demain, mais nous, à toutes les journées, on a des routes attitrées, fait qu'on ne retourne pas nécessairement le lendemain. Hein. Donc, c'est un petit peu de planification pour eux, là, avoir de la place dans les frigos, puis avoir le nombre de roulettes ou de crochets pour accrocher. Parce que ça arrive, je ne sais pas comment de fois aussi, qu'on laisse nos poulies dans les boucheries. Mais après ça, c'est la gestion de plus. Pourtant, ils savent là, que la viande s'en vient. C'est juste d'accord. Un petit peu de planification aussi des côtés des boucheries. Est-ce que tu peux donner une idée un peu, Michael, un peu mettons le territoire que tu couvres, pas nécessairement toutes tes routes, mais un peu des points A, point B, ou les territoires en fait que tu couvres, la superficie? Ben, exemple, le lundi, on fait tout le bas de la Beauce. On monte là-bas avec le camion de livraison de carcasses. Le mardi, on fait Sherbrooke, Grimby, Magog, plus autour de l'abattoir. Le mercredi, on fait le Grand Montréal. Le jeudi, on va sur la rive sud. Le vendredi, c'est la rive sud aussi. Et puis, des fois, on va à Trois-Rivières le vendredi. D'accord. Bon, OK. Donc, ça donne un peu l'idée au niveau des gens, là, un peu du territoire que tu peux couvrir. Une question à quelqu'un d'entre vous, dans le fond, est-ce que ça serait utile un espèce de logiciel quelconque ou une organisation pour mieux planifier le transport des animaux? Je ne sais pas comment que. En fait, la question dit un peu pour un maillon un peu type logistique. C'est quoi votre point de vue là-dessus? Est-ce qu'il manquerait un peu un élément pour être capable de faire une planification un peu à travers votre élevage ou votre abattage ou la réception des animaux à la boucherie, où vous ne voyez pas la pertinence d'un tel logiciel, mettons. Pascal, peut-être? Je réfléchis. Je dirais, à la hauteur où je suis rendu,
C'est pas nécessaire, mais oui, ça pourrait être un plus, mais d'investir des sous dans un logiciel comme ça, ça serait onéreux. Mais oui, d'avoir, exemple, un logiciel qui me dit « OK, le bœuf, il est parti de la ferme, il s'en va là », ou d'avoir une traçabilité, oui, ça serait un plus, mais je dirais que c'est pas une priorité, c'est pas hyper nécessaire, mais ça serait le fun. OK, c'est bon. Est-ce qu'il y a un autre panéliste qui a un point de vue là-dessus? Ben, non? Oui. Ouais, oui, vas-y, Brian. Dans tout ça, un logiciel, ça aide peut-être, mais dans tout ça, moi, je pense que le problème dans tout ça, c'est un manque de communication. Tu sais, tellement des... On a des voisins qui peut-être ont envoyé deux bœufs, une bœuf, une porc. Y a-t-il une moyenne que nous, les producteurs, on serait capable de peut-être organiser un petit peu mieux nous-mêmes? C'est d'envoyer des vans, des trailers complètes, c'est de faciliter le travail à l'abattoir. Parce que moi, j'entends quand même à l'abattoir des gens qui envoient le bœuf, puis c'est la salle des coupes là-bas qui sont obligés d'appeler les clients. C'est, est-ce qu'on devrait, nous, être un petit peu plus professionnels dans tout ça? De remplir les camions, de remplir les journées complètes, d'avoir une meilleure communication. Et moi, je suis loin d'être la personne qui est bon pour la communication, puis je vais expliquer un peu quoi. Cette année, je pense que je suis le poster child des problèmes de Pascal, même de travailler avec lui avec 4 années. Exemple, cette année, on a perdu une semaine, on avait une semaine cédulée en septembre pour un lot, un riz bœuf. Puis l'abattoir, il a changé de date. Mais nous, tu sais, organiser avec les animaux et de trouver nos dates et toutes les choses à la ferme, on a manqué de dire à Pascal qu'on a perdu notre date. Et là, on reçoit un courriel de Pascal, mais le bœuf, il s'en vient quand est-ce? Puis, oups, c'est ça. Nous, une autre fois, on a eu un problème avec le transport. Pascal est en vacances. Il y avait un délai de transport de nos bouts. Il y avait un manque de communication. Puis même la semaine passée, quand on a préparé notre réunion ici, pour la première fois, j'entends de Pascal, mais il serait fun d'avoir les abats, puis le foie, des choses comme ça. Nous, on n'a jamais envoyé ça parce qu'on ne savait pas, puis on n'a pas pensé. Tu sais, la communication, et je pense que c'est super important de nous, les producteurs, parce qu'on est dans plein milieu de tout ça. On travaille avec les deux, c'est des partenaires sérieux pour nos entreprises. Et si on n'a pas une façon de communiquer comme il faut, le logiciel, ça n'aidera pas. Là. C'est d'accord. Nous, on est obligés de parler plus avec nos partenaires. Excellent. Parfait. Autre commentaire? Sinon, j'ai une autre question. Je rajouterais juste clarifier par rapport aux abats, vu qu'il en parlait. T'sais, oui, des fois, ça suit, mais des fois, les abats ne suivent pas. C'est ça, je me demande où sont ces abats-là. Je veux les valoriser. C'est quelque chose que j'aimerais aussi. Il y a des abattoirs qui... le porc, pour moi, faire du boudin, ça prend le sang de mes porcs. Si je n'ai aucune idée de la traçabilité du sang, j'en veux pas. Et c'est difficile d'avoir vraiment une traçabilité, s'assurer vraiment que... Pourquoi c'est difficile d'avoir le sang? Pourquoi c'est difficile d'avoir des boyaux québécois, des parts pour pouvoir faire nos saucisses au lieu d'avoir des boyaux qui viennent de je ne sais pas où. Ce serait bien qu'il y ait un meilleur traitement des abats pour que nous, les bouchers, on puisse plus les valoriser, avoir la tête, avoir les pieds, avoir tout ça, qu'on puisse les valoriser un peu comme ça se fait en Europe. Ça, j'aimerais bien ça qu'un jour, on puisse faire ça au Québec. Super. Ben, en fait, c'était exactement ça la question que j'avais, la prochaine question. Au niveau des consommateurs, il y a des demandes, autant Sylvie que Pascal, dans lesquelles vous n'êtes pas capable de répondre. Pourtant, les produits sont en quelque part à travers la chaîne, mais ils n'arrivent juste pas dans vos mains. Là. Peut-être Pascal continue un peu à ce niveau-là, puis après ça, je reviens vers Sylvie. Je dirais que c'est ça. Ben, j'ai parlé un peu de ça aussi, parce que là, je vois que le temps défile, puis je ne sais pas si on va pouvoir parler de tous les sujets, mais oui, c'était mon point pour les demandes non répondues. Les abats, on peut avoir une traçabilité des abats, s'assurer que c'est bien les abats de nos animaux, et pourquoi des fois ils suivent, des fois ils ne suivent pas, pourquoi c'est difficile. Ça serait le fun pour minimiser le gaspillage au complet, là, au lieu que le sang aille dans le drain, que je puisse le récupérer. Ça serait magnifique, ainsi que les boyaux pour faire nos propres saucisses. D'accord, Sylvie, s'il vous plaît, là-dessus. C'est pas mal la même affaire. C'est sûr, je suis consciente de la logistique de l'abattoir pour, des fois, le faire suivre tous les abats. Fait que, des fois, oui, il peut en
quelques semaines des fois qu'il va manquer ou quoi que ce soit, ils vont suivre, ils les retrouvent toujours. Mais sinon, au niveau du manque de produits ou quoi que ce soit, en travaillant avec la carcasse, bien, on a toutes les coupes possibles pour le client. Là, donc, c'est un beau défi. D'accord. Et j'ai un autre, je vais ressauter à une des questions que j'avais pour Brian. En fait, la personne se demande pourquoi tu fais du porc au pâturage, parce que tu en mets en marché un peu de porc au pâturage, mais on sait quand même que le porc doit recevoir une portion de grains dans son alimentation. Je ne sais pas comment tu le travailles, comment tu réponds à cette question-là. Pourquoi tu fais du porc essentiellement sur ta ferme? Nous autres, on fait le porc, mais c'est pas au pâturage. Nous, c'est Dan Baptiste, c'est nourri quand même assez conventionnel. Les restants de le jardin et le table champêtre quand il est là, mais ils sont assez conventionnels. Et la raison qu'on fait ça, il y a une demande pour. On ne fait pas beaucoup. Et c'est assez simple. À date, il n'y a pas personne qui aime beaucoup les porcs à la ferme. C'est pour ça, juste la journée qu'on trouve les personnes qui aiment courir après les porcs dans le bois, on va en avoir les porcs dans le bois. Mais comme cela, il n'y a pas personne qui veut ce sport-là. OK, c'est bon. Peut-être maintenant, allons un peu vers les réglementations. Tous et chacun, des producteurs, aller jusqu'à l'abattoir, puis en allant évidemment jusqu'aux boucheries. Jean-Sébastien, toi, au niveau réglementaire, y a-t-il des choses qui sont que tu dis qu'il faut vraiment respecter malgré des fois que ça peut créer des travaux supplémentaires? C'est sûr qu'on essaie de travailler le plus possible avec le bien-être animal. Oui, on. Il y a certaines réglementations là-dedans qui a respecté, qui est normal aussi, ça c'est sûr. À part ça, non, je peux peut-être parler de programme VBP+. Oui, c'était ma question. Dans le fond, je sais que tu es rendu VBP+. Qu'est-ce qui t'a apporté vers ça, dans le fond? C'est un programme qui vise le bien-être animal. Puis en regardant le programme, c'était pas mal de choses qu'on faisait déjà à la ferme. Par rapport à l'entreposage des pesticides, des choses comme ça. Toute la réglementation de l'environnement par rapport aux animaux. C'était toutes des choses qu'on faisait déjà. Fait qu'on s'est lancé là-dedans, puis ça a été quand même assez facile d'avoir la certification. Donc, c'est tout un cahier de charges à respecter. C'est tous les traitements qui vont être faits aux animaux, les vaccinations, les choses comme ça. Tout va être noté. Donc, c'est juste d'avoir un bon suivi sur la production. Super. Et puis, Sylvie, est-ce que le VBP+, dans votre circuit, vous le mettez, mettons, proche des producteurs, puis le producteur voit ça dans vos boucheries? Ah oui, c'est sûr, on l'affiche, on a les affiches de la ferme, justement, comme quoi qui est sorti avec les deux certifications, parce que ça, c'est une chose qu'on se fait souvent demander au niveau de... On entend souvent parler, justement, des clients qui vont dire, ben on aime ça manger de la viande, mais ils n'osent pas trop demander, à savoir, le bien-être animal est-il vraiment très bien, justement, respecté, autant sur la production qu'autant qu'à l'abattage. Donc, on est à conscient de toute la ligne, on est vraiment capable de leur répondre que oui, tu sais, vraiment qu'à la ferme, les employés, on va leur faire une visite par année aussi pour qu'ils puissent voir vraiment le derrière tout ça, la production, comment justement à quel point que les animaux sont respectés sur toute la ligne. Ça a une importance sur le consommateur, en tout cas du moins ceux qui viennent en boucherie. C'est ce qu'ils recherchent et on veut être sûr que l'animal, oui, était bien nourri, mais tout le bien-être animal est important aussi sur toute la chaîne là. Super. Sylvie, plus tôt, vous avez mentionné que vous avez fait le choix, mais en fait, vous avez bifurqué ou additionné le C1 sur sur une de tes boucheries. En fait, est-ce que tu peux expliquer aux gens qu'est-ce que ça comporte, puis pourquoi vous avez fait ça, puis les avantages, inconvénients, réglementation autour de ça, ainsi de suite?
Ben, au niveau des permis, ben, c'est ça, le C1, c'est en fait, c'est que ça apporte un permis un petit peu plus, pas si sévère qu'on peut dire, mais c'est dans le fond, c'est sûr que oui, on est un petit peu plus suivi par la MAPAC, donc au niveau de l'hygiène, salubrité, il est encore plus suivi. Nous, on a fait ce choix-là de pouvoir se tourner vers le C1, dans le fond, pour pouvoir aller après ça optimiser nos marchés sans avoir à rouvrir nécessairement d'autres points de vente. C'est qu'à ce moment-là, c'est que ça nous permet, quand l'établissement est certifié C1, c'est que ça permet de pouvoir d'aller vendre notre bœuf à quelqu'un dans un autre marché ou autre qui, eux, peut revendre nos produits. Donc, à ce moment-là, ça amène la certification que le lieu est sous inspection, un petit peu plus rigoureuse, donc pour avoir un suivi de traçabilité pour le client quand ils ne sont pas vendus directement chez nous, dans nos établissements à nous. Puis, ça permet à ce moment-là, c'est ça, aux autres producteurs, justement, qui eux veulent pouvoir refaire de la vente à la ferme ou dans d'autres, dans des marchés ou autres. À ce moment-là, eux, ça leur prend que leur viande soit absolument débitée dans un lieu C1 pour pouvoir le vendre pour leur mise en marché. Fait que c'est, okay. C'est le permis additionnel que ça, c'est ce que ça donne de plus. D'accord, super. Pascal, toi, au niveau règlement, ces choses-là, qu'est-ce que tu dois surveiller ou... Comment ça fonctionne? Moi, on n'est pas C1 chez nous et on ne le sera pas. C'est pas dans mon intention, peut-être un jour, mais ça en prend des C1 justement pour que des fermiers puissent pouvoir revendre leur viande. Donc, chapeau à Sylvie et compagnie, ça en prend des gens qui se lancent dans cette aventure-là. Il y a beaucoup de demandes pour ça. Mais moi, je suis vraiment un permis MAPAC de commerce de détail, d'épicerie de détail, donc c'est pas... par rapport à toutes les normes qui me sont demandées, c'est assez facile à respecter. On a des inspections aux 2-3 ans. Nous, on fait des charcuteries, donc on va faire des tests labo. On contrôle notre humidité dans notre chambre de vieillissement à charcuterie. On a un pH mètre. On sait où on s'en va. On a fait on s'est beaucoup informé avant de se lancer dans tout ça. Donc, il n'y a pas eu de mauvaise surprise. Par exemple, moi, vouloir être C1 chez moi, ça ne fonctionnera pas. On a un énorme mur de béton. On a des boîtes granges qui ornent qui placardent notre chambre froide. On ne pourra jamais être C1, il faudrait que ce soit un autre plan. Mais juste par rapport aux normes qui nous sont exigées, c'est tout se passe bien. Donc, toi, tu me dis que tu as une inspection au chaque 2 à 3 ans, c'est ça? Ou? Un an. Oh. Ça va bien de notre bord aussi. Donc, à chaque inspection, tout se passe bien. Donc, on n'a pas les suivis toujours. Tu n'as pas trop de visites souvent? Exactement, mais oui, il y en a, je ne calcule pas, 1 an, 2 ans. D'accord, donc dans ton cas, c'est que toi, tu produis dans ton unité, puis tu peux vendre directement à un client, alors que lorsqu'on a un C1, c'est que là, on peut revendre à un client que lui va revendre au détail plus tard, c'est ça? Exactement, puis il y a moyen de passer, de louer un espace sur un autre commerçant, d'avoir un autre permis de vente de détail ailleurs, où ça devient un peu un point de consigne de tes produits, si ça devient un peu de paperasse. Il y a moyen de faire ça, mais vraiment, nous, ce qu'on veut faire, c'est ça se passe à la boutique. L'expérience se passe en boutique chez nous. D'accord. Michael, toi, j'imagine que tu dois être soumis à quelques réglementations, évidemment, au niveau de l'abattage, mais est-ce que, tout à l'heure, tu as évoqué une salle de découpe. Est-ce que ça, c'est dans des projets éventuels? Tu me diras, il faut que la rentabilité soit là, tu me diras, il faut que les clients soient là, mais... Y a-t-il à vous des demandes à ce niveau-là, dans le fond? Bien, c'est sûr qu'il y a des demandes pour une salle de découpe C1 là, ou faire même du bœuf en boîte. Mais nous, contrairement à l'abattoir, les réglementations, contrairement à Pascal, ben, chaque matin, on a un vétérinaire et 2 inspecteurs à temps plein. Et puis, de la manière que ça fonctionne, c'est avant de commencer la journée d'abattage, ben, on doit remplir les fiches là, des animaux qu'il y a dans l'étable. Donc, faut marquer le nombre de bêtes qu'il y a sur chaque parc et puis le vétérinaire doit mettre sa signature pour dire que les animaux sont corrects, là, sont aptes à se faire abattre. Là. Il n'y a pas de maladie, il n'y a rien apparent. Ensuite de ça, les inspecteurs font le tour de chaque poste de travail pour voir la propreté ainsi que la température des stérilisateurs, de l'eau chaude. Et puis, un coup que tout ça est complété, là, on peut commencer notre journée. Aussi, là, tu sais, là, tantôt, on parlait beaucoup des abats. Dans le fond, le MAPAC, à cette heure, ils font plus de papier de condamnation sur les pièces d'abat. Donc, des fois, le foie peut aller dans une viande non comestible parce qu'il est parasité ou peu importe, il est contaminé. Avant, on avait une preuve pour fournir aux bouchers ou aux boucheries la raison de pourquoi il manque des abats. Mais maintenant, il n'y en a plus. Fait que c'est juste notre parole pour dire
que vous n'avez pas vos abats parce qu'ils n'étaient pas bons, mais tu sais, des fois, c'est un peu... ça met le doute dans la tête des boucheries. Puis pour nous, c'est un peu frustrant parce que c'est vrai puis on sait que c'est vrai. Tu sais, fait que ça, c'est un... ça fait quelques années que c'est comme ça. Là. Il n'y a plus de papier de condamnation. Il y en a une si la carcasse au complet est condamnée, mais plus les abats ou les sous-produits. Donc, c'est un petit peu frustrant pour nous. Ouais, c'est assez sévère les réglementations. Là. Puis chaque carcasse, avant de rentrer dans le frigo, ben, les abats sont inspectés, le bœuf est inspecté. Et puis après ça, là, ils mettent le sceau pour dire... pour dire que le bœuf est certifié. D'accord. Brian, est-ce que tu as un commentaire au niveau réglementation ou non? Pas vraiment. Moi, j'ai une allergie au papier. Ça veut dire que je tiens loin de ça. OK. Bon, en fait, je vais t'en poser un autre, Brian, dans le fond, qui n'est pas loin des papiers, mais l'argent. Comment que vous négociez le prix de tes animaux, toi? Est-ce que ça, dans ton cas, ça s'applique parce que tu vends directement au consommateur ou si tu vends, comment tu gères le coût que tu vas demander au... Tout à l'heure, tu évoquais le fait, dans le fond, que tu vendais des carcasses vers Pascal. Comment vous fixez vos prix? C'est une question qui est dans ce sens-là, dans le fond. Mais nous, notre système, c'est quand même assez simple. Nous, on achète nos animaux au printemps. Nous autres, on n'est pas éleveurs. On achète tous nos animaux. On va les engraisser au pâturage. On sait exactement comment ce qu'ils nous coûtent. On sait comment ça coûte pour les nourrir et notre temps. On sait comment ça va coûter pour les transmettre. On met une marge de profit et c'est ça notre prix. Pour vendre à Pascal, mais on va juste enlever, mettons, de la découpe et toute autre coupe, toute autre frais qu'on est obligé à faire si les marchés nous autres-mêmes. D'accord. Pascal, peut-être là-dessus, au niveau comment tu négocies tes prix avec les producteurs, puis à l'inverse, c'est quoi le plafond que les consommateurs sont prêts à payer là-dedans, c'est quoi les remarques que tu peux avoir? Je dirais que ça dépend toujours à quoi on nous compare. Si on compare à l'entrée de gamme au supermarché, c'est sûr qu'on va être beaucoup plus cher. Si on compare au biologique, au supermarché, on est vraiment dans les mêmes prix, peut-être même moins. Donc, nous, on communique beaucoup les raisons du coût, pourquoi ça coûte ça. Donc, oui, c'est un enjeu le prix, mais quand même, les gens, vu qu'on parle beaucoup, on a une belle couverture. Les gens viennent souvent en sachant dans quoi ils s'embarquent en venant chez nous. Mais c'est ça qui est beau, c'est qu'on ne va pas chercher nécessairement une clientèle riche. C'est une clientèle qui est prête, qui veut dépenser ses sous à un endroit, qui va avoir vraiment une action qui va correspondre à leurs attentes. Ceci étant dit, avec les producteurs, bien, comme je disais au début, moi, c'est une relation humaine avec les producteurs avec qui je suis. Donc, c'est une confiance. Je ne vais pas négocier avec le producteur. Je vais peut-être demander de justifier son prix. Mais si c'est ça son prix, je ne vais pas dire tu baisses ou ça va être moi, je l'achète. Ou je ne l'achète pas. Donc, et ce qui est beau aussi, c'est que ça va faire 5 ans qu'on est ouvert. Mes prix n'ont pas vraiment changé. Je n'ai pas eu vraiment d'augmentation dans pas mal tout. Le bœuf, il y a des fluctuations de prix du bœuf sur le marché. Moi, le bœuf, il y a le même prix quand j'ai ouvert la boucherie. Ça n'a pas bougé. C'est un système qui a de la résilience aussi. Mais avec la COVID, le prix du bœuf s'est éclaté. Nous, on n'a pas bougé nos prix parce qu'on contrôle un peu la chaîne. D'accord. Sylvie, au niveau des prix, le consommateur, comment il réagit au niveau des prix? Parce que vous avez un produit quand même spécialisé. Comment ça va dans votre secteur? Les clients, c'est sûr que ça l'aide du fait qu'on contrôle la production. Ça l'aide d'avoir justement comme la même affaire que Pascal, une stabilité au niveau des prix, justement parce que ce printemps, les prix de bœuf ont explosé et tout, puis on a été capable de garantir les mêmes prix aux clients. Fait que ça a été un bon coup, mais tu sais, comme je pourrais dire, c'est là que ça voit la beauté la beauté de la chose, vraiment. Fait que c'est là qu'on a vraiment pu expliquer aux clients, non, ça n'a pas bougé parce que l'abattage reste la même, la production reste la même, le prévisionnement reste la même. Donc, c'est constant. Au niveau du prix, je dirais qu'on n'est pas excessivement plus cher qu'ailleurs ou quoi que ce soit. En sauvant l'intermédiaire, on fait la chaîne complète. Fait que ça l'aide à ne pas avoir une trop grosse marge par rapport au bœuf régulier qu'on peut vendre dans l'industrie ou autre. Là. Donc, on est quand même assez compétitif là-dessus. Merci.
Jean-Sébastien, toi, est-ce que tu trouves qu'on a un bon prix au niveau des fermes? Ben c'est sûr que ça va varier d'une période à l'autre. C'est sûr qu'il en manque un petit peu. Là. Mais dans le fond, nous, comment qu'on marche, c'est le bœuf va être vendu à la boucherie selon le prix du marché avec un montant X de plus que le marché à toutes les semaines. Fait qu'on suit quand même le prix du marché pour vendre aux boucheries, dans le fond. D'accord. Bon, écoutez, le temps file. Hein. Il reste un petit 10 minutes à peu près. Donc, peut-être je ferai un dernier tour de table concernant les différents messages que je n'ai pas réussi à vous faire cracher encore, que vous voulez donner aux participants, des points importants, votre expérience, des choses qu'il faut penser si on se lance dans l'élevage, les défis qui sont à relever. Mais peut-être pour laisser le temps de mijoter un peu à vos réponses là-dessus, j'ai une question directement qui s'adressait à Brian par rapport aux agneaux. Il voulait savoir précisément c'était quoi ton marché d'agneaux, quel âge sont envoyés, quel poids qui sont envoyés, quel vieillissement que tu dois faire au niveau des agneaux? Nous, notre système, c'est un vieil système british. On fait les agnelages en mois d'avril. Ils restent sur la mer jusqu'en mois d'octobre, jusqu'au pâturage. Ils rentrent, sont nourris au foin tout l'hiver et ils retournent avec le troupeau le printemps après, puis ils sont récoltés en mois de juillet. Le mot anglais, c'est hogget. Je pense que le mot, ça n'existe pas en français. C'est des animaux, cette année, ils pèsent 82 livres carcasse. Vu que c'est à poil, le goût n'est pas super prononcé, mais il y a un excellent goût. Pour nous, c'est un produit, on l'aime beaucoup parce que juillet, les gens sont un petit peu plus lousses avec l'argent. Des fois, on appelle ça le Noël de l'été. Pour acheter cet agneau-là à 10 piastres la livre, c'est 825 piastres. C'est un produit qui est assez intéressant et ça prend une bonne production de pâturage. Et c'est un produit niche, c'est vraiment niche. Le goût est prononcé, mais pas trop. Et il y a des belles grandes coupes. C'est pas pour tout le monde, mais pour nous, c'est une belle source de revenus au mois de juillet. D'accord. Bon, dans le fond, ma question va arriver, donc un peu les messages que je voulais passer, mais aussi peut-être pour finir sur une note très positive, comment vous voyez l'avenir dans le secteur? Donc, est-ce que je nomme quelqu'un ou bien non, vous vous lancez à tour de rôle? Moi, je peux commencer. Vas-y, Brian. Nous, à la ferme, on est chanceux parce que cette année, notre fille est rejointe dans l'équipe. La chose qui est très, très importante quand on veut embarquer dans cette belle industrie-là, c'est la production, c'est vraiment une chose, c'est un métier, mais quand on ajoute la mise en marché, souvent on va ajouter un autre 50% de notre temps. Et ça, c'est pas négligeable parce que en réalité, souvent, c'est de là qui est notre profit. Si on est capable de vendre notre produit à le prix qu'on devra recevoir, c'est là notre profit. Moi, je suis tellement enthousiaste de où ce qu'on est rendu aujourd'hui. La demande est là. On ne fournit pas. Les clients, souvent, il y a des clients qui arrivent à la ferme qui savent autant ou plus que moi sur le CO2, le carbone, la sécrétion, le oméga. C'est fun de travailler avec des clients qui sont informés, qui parlent de les recettes, ils commencent à parler des recettes. Il y a un intérêt de ce qu'on fait aujourd'hui. On est très valorisé, mais n'oublie pas, on a d'autres métiers. On a la production et la mise en marché. Peut-être qu'on va être professionnel dans les deux. C'est bon. Jean-Sébastien, je poursuis avec toi. Comment tu vois ça, l'évolution de l'élevage encore? Y a-t-il encore de la place pour grossir, coudonc, chez vous? Oups, ton micro, Jean-Sébastien. Hey, oui, il y a toujours de la place à l'amélioration ou l'agrandissement. C'est sûr, nous, moi, comment je vois ça un peu, c'est sûr qu'il y a une certaine éducation face aux clients ou à la population
à passer encore. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent dans nos boucheries, puis on n'était pas au courant, on passe devant, mais jamais qu'on a arrêté. Puis, il manque un petit peu d'information, je pense, pour la population, les modes d'élevage et tout. Donc, le monde, des fois, se fie aux gros élevages qu'ils voient sur Internet et tout, donc qui n'est pas toujours la réalité d'ici. Donc, c'est vraiment, je pense, il y a une certaine éducation face à la population à faire pour développer ce marché-là encore. Puis, dans combien d'années que 100% de vos bœufs passent à travers votre réseau ou d'autres réseaux? De tous nos bœufs, mettons 100% de notre production présentement, je dirais d'ici 2 ans. Ah, c'est bien. Michael, tu vois de l'ouvrage qui t'attend, ça a l'air, parce qu'il y a de l'abattage qui s'en vient de ton bord. Toi, comment tu vois l'avenir là-dedans, Michael? Ben, nous, étonnamment, on avait peur de manquer d'ouvrage, parce qu'on a quand même une bonne capacité d'abattage. Et puis, il y a de plus en plus de gens qui qui veulent faire les circuits courts. Donc, pour nous, c'est super bon, là, l'abattage. Et puis, c'est ça. Je pense qu'il y a un bel avenir, là. Il y a beaucoup de nouveaux clients. On grossit notre route aussi pour les retours de carcasses. C'est important. Dans le fond, plus qu'on grossit nos routes, bien, plus qu'on va chercher des clients à l'extérieur. Et puis, c'est ça, là, ça. Pour nous, je pense qu'il y a un bel avenir du côté de l'abattage. Super. Bon, là, je suis un peu embêté. Est-ce que je vais vers Pascal ou vers Sylvie? Je pense que je vais aller vers Pascal, puis je vais garder Sylvie pour le dessert. Avec Pascal? Moi, je trouve que par rapport au type d'agriculture que Pascal Leboucher peut soutenir, je trouve qu'il y aura un bel avenir. On a vu avec tout ce qui se passe en ces temps de pandémie, l'importance de l'achat local. Les gens sont de plus en plus sensibilisés à ça. Au bien-être animal, oui, on vient d'avoir un point de non-retour. On s'en va vers ça. On va manger de moins en moins de bœuf. Il faut s'adapter à pouvoir offrir ce type d'offre-là. Il faut que les consommateurs réalisent de plus en plus le juste prix à payer. Ils ne sont pas nonos. On s'en va vers là. L'achat local est super important pour l'occupation de notre territoire, pour la définition de notre paysage agricole. Les gens sont de plus en plus conscients de ça. Donc, tout passe par manger local. Continuons comme ça. Puis avec toutes les annonces qu'il y a eu avec le gouvernemental par rapport à l'environnement, la suite qui s'en vient, il faut prendre ce tournant-là. Mangeons moins de viande, mais choisissons-la mieux. Merci. Et évidemment, Sylvie, il faut que tu ouvres ton micro. Parfait. Oui, je dirais que c'est vraiment positif vers l'avenir, vers là où on s'en va. Il y a déjà eu un bon virement cette année, que les gens sont de plus en plus conscients. Puis je me dis, plus qu'il va y avoir de producteurs qui vont pouvoir faire les circuits courts avec nous, à ce moment-là, plus qu'il va y avoir de gens qui vont être éduqués par rapport justement à ce circuit. Parce que chaque producteur qui en parle, à ce moment-là, ça éduque une certaine partie de la population. Fait que plus que les gens vont prendre conscience de tout ça, ça va être important. Mais on dit autant les clients, mais on dit autant les autres marchés, autant les autres boucheries, autant les autres épiceries. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont vu cette année la réalité qui était tout autre quand on voit toutes les boîtes qui viennent d'ailleurs ou quoi que ce soit. Ça en a même conscientisé, je pense, plus qu'un, de voir que le circuit en ce moment actuel n'est pas vraiment réel ou du moins pas ce qu'il faudrait qu'il soit, en fait, c'est justement de prioriser, de faire affaire directement avec les producteurs de plus en plus de la région, donc l'économie, ça encourage l'économie d'ici. Puis, on est capable de vraiment savoir de où de notre produit provient, c'est ce qui est super, là. Et merci tout le monde. Écoutez, merci de votre temps, de votre implication, de votre passion que vous avez partagée à travers l'écran, qui n'est pas évident, en tout cas selon mon point de vue. Je vais repasser la parole à Marie-Ange pour le mot de la fin. Oui, merci beaucoup, Paul. C'est ce qui complète la table ronde sur la coopération entre tous les maillons de la chaîne, de la production à la mise en marché. Donc, merci beaucoup, beaucoup à Paul, notre animateur, qui a très, très bien fait ça, et à tous les panélistes. Vous avez été super intéressants, puis votre présence, elle est vraiment très appréciée. Donc, un grand merci. Ça complète également notre séance d'aujourd'hui. Encore une fois, je vous remercie de vous être inscrits en grand nombre. Je remercie également le réseau AgriConseil et nos commanditaires Zoétis, la Banque nationale et l'Association Québec Angus. Je veux aussi remercier le comité organisateur de l'événement et je veux remercier plus spécialement Lynn Bourassa qui nous a
beaucoup aidé dans la réalisation de la table ronde. Donc, merci Lynn. Finalement, je veux rappeler aux agronomes que l'activité est accréditée par l'Ordre des agronomes du Québec. Puis, finalement, il y a un sondage d'appréciation qui va vous être envoyé par courriel après la troisième séance du 4 décembre. Donc, s'il vous plaît, vous remplirez le sondage. Ça va nous aider là, à s'améliorer d'année en année. Donc, on se donne rendez-vous pour la deuxième séance de la Journée des élevages au pâturage 2020, vendredi prochain à 13h30. Merci et bonne fin de journée. Et merci. Bonjour tout le monde. Bonjour.